Ma Mission TV, le miroir du monde. Tribunaux à tribunaux à tribunal, à vous en disant que les qui va payer ça au peine capitale et tout le monde à l'Iwa. Papé Sanga, t'es pas en asa innocente, et bien l'eau comme côté. Ok. Vous condamnerez Madame Brenda et sa maman, co-auteurs principaux, à la peine capitale. Vous condamnerez Monsieur Olivier Makita par rapport à son apport qui a été aussi grave, c'est lui de faire disparaître l'un des co-auteurs. Monsieur Olivier avec Madame Aminata, vous le condamnerez à 20 ans de servitude. En cas de non-paiement de cette amende, vous les condamnerez à 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Pour le cas des deux pasteurs, les pasteurs? Non. Pour le cas de deux complices, monsieur le président, un pasteur n'agirait pas ainsi. Pour le cas de deux complices, vous condamnerez monsieur Amunda Didroy Jeannot à 15 ans de servitude pénale principale. 15 ans de servitude pénale principale. Et à 5 000 $ d'amende payable en monnaie. Mais nous savons que tous ces gens sont innocents. Si cette dame acquittée là, elle est innocente, qu'elle soit acquittée, vous la quitterez là-bas que quand son mari n'était pas là. Yo pasteur, aux autres qui ne retalent qu'à moi si à Batouali Balananda pour ne qu'à ta mobile à Zalakate. Pourquoi? Et violer même le principe d'établi dans l'église. Vous avez suivi Amoudrando ici. Monsieur Jérémy a violé en pleurs comme ça le réseau Monanzelaté. Parce qu'on est en train de pleurer. Mais elle, elle pleure, elle conduit. Quelle femme fantastique! Ma Mission TV, le miroir du monde. Du tribunal de grande instance qui s'est abombé, ces gens en matière répressive de séjour est déclaré ouvert. Je vais vous asseoir. Pénal. Audience publique du 27, siégeant. Touka Mouporik, président du chambre. Douaka Diabagna, juge. Madame Bouchiri, juge. Suppliante, Madame Ngalula. Madame Ange Toto, officier du ministère public. Et Monsieur Olombe Kibilis, greffier. En cause, ministère public contre. Ministère public et parti civil. Navou Nakaimbi et consort. Contre. Madame Koi Okale Brenda et consort. 593. Ministère public et la partie civile. Mamavu Kaimbi Honorine. Mwenge Kaimbi Augustin. Moutilae, avocat au barreau d'Equipe. Conjointement. Conjointement avec Maître David Lukulobo. Je suis venu boutique à là.
avocat au barreau de Kilo, conjointement avec maître Kimye Moulolo Christian, avocat au même barreau. Assisté par ses conseils, maître Manzala Nimanga Prince, avocat au barreau de Moussa Gombe, conjointement. Accordons-nous ces temps. Le président vous accorde 30 minutes pour chacun. Au revoir. C'est pas secret. Avant sa mort, fais appel à la deuxième prévenue, sa mère biologique, qui quitte Mbandaka et la rejoint à Kinshasa. Et à Kinshasa, lorsqu'elle arrive, elle va tenir une réunion à l'église Bima. Dans la présence de deux autres prévenus dans cette cause de l'église Bima. La nuit du 27 au 28. Un certain Gérard, cuisinier dans la maison du feu général, est apparu aux heures de 3 heures du matin, tel qu'avoué par la deuxième prévenue, avec un plateau dans le couloir de la maison. Que faisait-il ce Gérard? Ce Gérard va donner du psychotrope au général sur recommandation de la première prévenue et de la deuxième prévenue, sa mère. Le temps passe. Au matin, entre 6h et 8h, le général fait des appels, il parle avec tout le monde, il est en bonne santé, il est bien. Mais néanmoins, puisqu'il a pris ces psychotropes-là, il s'est quand même affaibli et il devait prendre son repos. Cependant, ce temps qu'affaibli par les psychotropes, que Madame Brenda, première prévenue, et sa mère vont utiliser un fil qui a été décrit lors de l'instruction par un des renseignants. Ils vont pendre le général. C'est alors que le général est mort suite d'une pendaison incomplète et atypique. Quand on parle de la pendaison, il ne s'agit pas seulement de suspendre un individu sur un arbre ou l'accrocher quelque part. Non, il suffit de prendre une corde, de lier sur le cou de la personne et de soulever même sur son lit de telle sorte que une pression d'au moins 5 kg, telle que décrit dans le rapport, puisse entraîner l'absence d'oxygène au cerveau. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Composition, voilà de quelle manière le général est arrivé à succomber. La première prévenue annonce, elle dit, le général s'est pendu. Ayant découvert que cette hypothèse de pendaison amènerait certainement à la question de savoir il s'était pendu avec quoi et c'était comment, elle change. Elle prend une autre tournure. Le général a piqué une crise. Mais alors que sur le cou du général, on a découvert un lien. Tels sont les faits succincts de la présente cause
Et la manière dont le général est arrivé à mourir, ce n'est pas nouveau. Puisqu'à Rome, en 54 après Jésus-Christ, Agrippine avait empoisonné Claude, utilisant le service d'un certain locuste comme le service de M. Gérard ont pu aider Madame Brenda à achever cet officier des forces armées de la République. Voilà le fait succès de la présente cause. Je passe la parole à mon confrère Maître Kayembe qui va ajouter certains éléments de fait et les confronter au droit. Le président, il fait tellement jour, il y a du soleil. Et ce que lisent des dactyles ecclésiastiques disent, le soleil c'est un grand témoin. Votre tribunal va permettre à ce qu'aujourd'hui qu'on puisse connaître la vérité sur l'un des officiers les plus remarquables de la République. Nous sommes intéressés sur l'individu de Gérard. Monsieur le Président, vous allez vous souvenir par rapport aux faits. Gérard, un domestique privilégié, lorsque on constate, suivant les dires de Madame Brenda, on l'envoie souvent par le visiteur. C'est pourquoi je l'ai envoyé par Madame Aminat, domestique. Monsieur le Président, la vérité est telle que Gérard, que vous croyez sujet congolais, c'est un Burundais. C'est un sujet burundais. Le procès verbal atteste de membres de l'église porte des brebis qui ont été arrêtés à Kasangoulou par notre service d'intelligence. Ils ont avoué. Et Gérard Burundais, pourquoi il devait quitter la résidence de notre général? Parce que c'est d'abord un soyeux folle. Et la plupart qui étaient venus au deuil, votre honneur, c'était plus des swahilophones. Alors, comme dans la coutume swahilophone, lorsqu'on perd un frère ou une sœur, on pose des questions. Alors, il fallait faire déplacer Gérard. Ainsi, monsieur le président, Gérard qui a été aidé par Madame Brenda pour disparaître dans la nature, avec l'aide indispensable de Madame Amina, suscite à faire voir à votre tribunal réellement que Madame Brenda est bel et bien avec Maman Mondo, sa mère bien entendu, ont participé à l'achèvement de notre général. En droit, ces faits intéressent les droits criminels congolais. Ces faits intéressent les droits criminels congolais. En République démocratique du Congo, il est interdit à quiconque d'ôter la vie d'un semblable, voire même un animal. Il est interdit, prohibé. C'est ainsi que, au terme de l'article 45 du Code pénal livre 2, érige ce fait en infraction d'assassinat. Honoré Monsieur le Président, membre de la composition. Mais comment on peut analyser la détermination et l'établissement de cette incrimination à charge de tous les prévenus? La loi impose une certaine démarche, une certaine observation, notamment la constitution des éléments qui doivent déterminer la mise en œuvre de la responsabilité pénale. Primo, votre honneur. La loi fait dire au juge d'observer ce qui suit. Pour qu'il y ait assassinat, qui est le meurtre bien entendu simple, mais à la seule différence d'un élément le plus important, la préméditation, nous allons le déterminer maintenant. Il faut qu'il y ait un acte positif. C'est quoi l'acte positif? Le général Likou Liabolongo, dans son ouvrage « Droit pénal spécial », enseigne « L'acte positif peut être soit un coup, ça peut être soit un couteau, ça peut même être un bousculement et la personne succombe.
Mais dans les cas sous examen, Madame Mondo, Madame Brenda l'épouse, ont porté atteinte à la vie du général par le fait d'un lien. Les rapports médicaux attestent que le général Delphin Kayumi est décédé non pas suite d'un suicide, mais d'une pendaison atypique auquel nous avons retrouvé les traces au cou. L'acte positif étant ainsi dit, l'épouse du général Delphin avait présenté la corde à l'un des renseignements passés par devant vous, un monsieur équilibré, responsable, qui ne pouvait même pas votre honneur oublier à la moindre détail des choses dont il a vu. Il a vu la corde lui présentée par Brenda. Votre honneur, monsieur le président, et lorsque la police scientifique arrivera, c'est là où Brenda et sa mère changeront de version. Il fallait faire disparaître la corde et l'homme qui a aidé à achever. Le Gérard, pour même amener la police scientifique et technique à une fausse piste, que c'est ici au salon, que c'est ici dans la chambre, et non c'est là. Heureusement, les services d'enquête en RDC non négligeables est aguerri. La commission ayant entendu votre honneur, le prévenu passera aux aveux qui avaient corps. Comme dans la commission de l'assassinat, l'acte positif étant exigé, l'acte positif étant lié directement à la corde qui est déterminée dans les rapports médicaux final que Brenda Brandy au renseignant. Mais il ne suffit pas, votre honneur, qu'il y ait seulement un acte positif. En ce qui concerne l'incrimination érigée en article 45, il suffit également, comme il s'agit de l'assassinat perpétré par le prévenu, Brenda et sa mère, en complicité des autres, il y a lieu de déterminer l'élément prépondérant de la préméditation. La résolution vient d'où? On vous a parlé au rapport de fait que Brenda, d'ailleurs, votre honneur, vous avez des renseignements ça et là dans le PV. Vous allez noter que par rapport au fait, Brenda, avant, il n'était pas souvent en bon terme. En bon terme, on doit le dire, souvent avec le général, pour un cas, on doit le dire. Le général, nous tous, nous qui sommes mariés, des fois, nous avons des arrangements particuliers. Lorsqu'il a été, il a eu question sur la légitimité, plutôt, la filiation de certains enfants, c'est là où est né le problème. Il fallait que la belle-mère arrive. Où est-ce qu'on a déterminé cette préméditation? La belle-mère quittera Dembandaka le 25e jour. En arrivant à Kinshasa, la première loge, c'est l'église Bima. En arrivant à l'église Bima, mon tonnerre, ils se sont entretenus. Une organisation des caciques, bien élaborée, très intelligente, et va se débarquer, elle, Madame Mondo, directement à la résidence du général. C'est ça l'organisation. Et notez encore une fois de plus, votre honneur, l'un des renseignants sous PV avait déclaré à la présence à chaque fois de la belle-mère dans ma résidence, le général n'était pas souvent d'accord, il prenait ses enfants et il s'en allait dehors pour s'émouvoir librement. Il y avait un problème. Et sur base de ça, on cherche à créer un alibi, il avait des problèmes avec les services. Faux et archi-faux, votre honneur. Parce que le général, le 28e jour, il avait rendez-vous avec son avocat, Maître Félicien Kalala, entendu sous PV, pour lui remettre une procuration spéciale au fin d'aller établir la filiation d'un enfant né hors mariage. Donc, il était en bonne santé. Il n'y avait pas de raison que le général soit traumatisé pour une question de travail. Donc il fallait maintenant, comme il y avait un problème aussi ainsi dans les foyers, comment profiter de cette histoire-là
de la profession du général pour l'achever. D'où la présence de la belle-mère. Et vous avez entendu un conseil très dangereux. Accaparez-vous d'abord des titres et comptes bancaires. Bravo à nos services de renseignement qui a arrêté le monsieur qui a osé prendre le compte en banque. Les titres de propriété et autres biens du général, les gens de l'église, les prophètes. Et qui en a fait ainsi? C'est madame Brenda Scholastique, plutôt Brenda Nkoy, l'épouse du général, qui a organisé, c'est bien elle la chef de l'orchestre criminel, qui a réceptionné Gérard. Il a été dit dans le rapport que le général, de temps en temps, il prend un produit lorsqu'il est fatigué. Il a travaillé dur, même nous, ça nous arrive. Il faut prendre un produit pour se reposer. C'est à ce moment-là, quand il s'est reposé, la dame Brenda vont profiter, elle, sa mère, pour achever le général par la pendaison atypique déclarée. La résolution criminelle émane de cela, cette préméditation. Ils ont résolu consciemment, valablement, intentionnellement, d'achever le général. C'est pourquoi vous avez même vu l'insouciance. Une femme africaine, je vais atterrir votre honneur, une femme africaine dont le mari tombe, et nous ça nous enseigne beaucoup, qui tombe, on lui laisse, non j'avais tout ça. Faux et archifaux. Il fallait rester à la maison pour faire disparaître, tenter disparaître les traces, tenter faire fuir Gérard par la bonne réception criminelle de madame Aminata. Votre honneur, la préméditation étant établie dans le chef de ces gens, eh bien, l'infraction d'assassinat dans le chef qui est prévenu étant établie. Il ne suffit pas de déterminer l'élément matériel. L'intention coupable, dit le courrier général. L'intention coupable, ici, l'infraction n'exige pas un dol plus spécial. Le dol est spécial. On vous a donné ici la raison que non, ce sont des problèmes de travail. Faux et archifaux. Le fait pour madame Brenda de se permettre à présenter à un officier supérieur la corde et on lui donna conseil, essayez de remettre ça au service d'enquête. Elle refuse, elle garde. Donc elle savait bel et bien que l'acte posé par elle était criminel. Par voie de conséquence, votre honneur, nous serons très larges à notre note. L'intention coupable est extrêmement établie dans le chef de Brenda, de sa mère et les complices. Mais en ce qui concerne votre honneur, le complice, il s'agit bien entendu d'apporter une aide non indispensable, bien entendu, mais qui accorde à la commission de l'infraction. Comment cela nous le démontrons? Nous devons retenir que le prophète Jeannot, les prévenus Olivier et l'autre prophète Jérémie ont été très utiles à la commission, à cette perpétration criminelle, en telle enseigne que sans eux, il y aurait y avoir même des séquelles, des traces. La dame quitte la chambre avec la corde. Il fallait se rencontrer avec le prophète Jérémie, sa combe, pour se rendre où? Soi-disant l'hôpital. Les heures de minutes qu'on a calculées dans le PV en témoignent le contraire par rapport à la distance de sa combi vers Cinquantenaire. Le PV en témoigne. Votre honneur, pour ne pas être large, peut-être que vous allez nous accorder à revenir à la République. Les parties civiles demandent à votre tribunal que elle est valablement constituée du fait du fondement des articles 107 de la loi organique des juridictions dont vous êtes membre, 258 qui pose le principe de la responsabilité acquise du fait de la faute, et 69
du code de procédure pénale. Et qui sont ces parties civiles? Nous les avons présentées et vous les connaissez bien. Il s'agit des victimes indirectes que nous appelons les victimes par ricochet. Le fait est pour eux, Monsieur Augustin Kayimbi et Madame Honorine Kayimbi, les frères et sœurs germains, je précise les mots, germains du feu général Delphin Kayimbi, ont perdu leur frère qui était très indispensable pour la famille. En les mettant, il était encore trop jeune, cinquantaine et quelques, il avait encore de l'avenir. Il s'agit là d'une perte énorme, d'un préjudice irréparable. Ainsi, votre honneur, vous allez recevoir leur constitution de la partie civile. En telle enseigne que, comme Philippe Letourneau a dit, il est choquant de battre monnaie avec ses larmes. Parce que la vie humaine est un droit extra-patrimonial, non évaluable à la monnaie. Kayimbi ne reviendra plus ici, sauf le Christ a dit à la résurrection. Avec trop de doute encore, on ne sait pas si ça va être vrai. Donc nous avions perdu un général. Et la famille en demande à votre sage tribunal de lui accorder, bien entendu, une réparation juste. Et cette réparation, monsieur le président, vous allez accorder au parti civil que vous voyez là, pour les Doloris Corpus Amunus, qu'elles viennent de subir par le fait de la perte imaginable de leurs frères, par le fait des faits préjudiciables, infractionnels de Mondo et Brenda et consorts, vous allouerez votre honneur un montant juste. Par ces motifs, votre honneur. Le tribunal va dire établi en droit, tout comme en fait, l'incrimination d'assassinat dans le chef de tous les prévenus. Le tribunal dira la constitution des partis civils, Honorine Kayimbi, Augustin Kayimbi, recevable et fondée. Le tribunal accordera, plutôt condamnera, disais-je, tous les prévenus au paiement d'une somme maudite, votre honneur, de l'ordre de 10 millions de dollars américains, afin de compenser les Doloris Procidunis in Carputus, irréparables à leurs droits. Et votre honneur, vous allez constater la justice par vous faite. La justice par vous faite à cette famille qui est devenue pauvre par le fait de perdre leur frère. Vous allez accorder cette maudite somme parce que la vie humaine n'a pas de prix, comme je l'ai dit. Vous avez parlé de 10 millions de francs congolais. Non, j'ai dit 10 millions de dollars américains équivalent francs congolais, votre honneur. D'ailleurs, une somme maudite parce que la vie humaine n'a pas de prix, a dit Philippe Letourneau. Il est choquant de battre monnaie avec ses larmes. Droit civil, les obligations. Ainsi, votre honneur, vous allez rendre une justice. Même nos forces armées qui sont au front seront contents de voir que on a honoré l'image de notre général qui est décédé. J'ai dit et je remercie avec le droit de revenir. Décidé par Pandès. Nous tous, nous avons suivi cette version. Laquelle veut. Monsieur le Président, parce que là, la personne n'a pas le temps de réfléchir. Là, la personne n'a pas le temps de monter des stratégies. Et c'est ce qui s'est passé avec Madame Brenda. Nous avons lu les PV. Des renseignants qui étaient entendus devant la commission d'enquête, devant l'auditorat et devant les tribunaux de séance.
Monsieur le Président, tous les renseignants, à l'unanimité, ont déclaré qu'ils ont reçu la nouvelle par Madame Brenda annonçant la mort de son mari. Par pendaison. Monsieur le Président, j'aimerais un peu revenir en arrière. Lorsque Monsieur Aboubakar a été entendu, il a déclaré qu'il a causé avec le général. Il a parlé avec le général le matin. Et il a dit clairement, il n'a laissé entendre ou faire voir aucun élément qui pouvait les pousser à se dire qu'il y avait un problème. Il était sain d'esprit. Monsieur le Président, ces messieurs étaient sains d'esprit le matin parce qu'il a eu à parler avec les gens. Même sa femme. Seulement ce qui nous étonne, nous, c'est le fait, comme la femme l'a dit, quand il descendait, je descendais avec lui. Quand il remontait, j'ai remonté avec lui. On peut encore ajouter, quand il s'est rendu aux toilettes, j'étais là à la porte en train d'attendre. Quand il entrait dans son bureau, j'entrais avec lui. C'est ce que la femme a dit. Mais seulement, quand il décide de se donner la mort, la femme n'est pas là. Elle a déclaré que non, j'ai juste constaté qu'il y avait un calme inquiétant. Qu'il y avait un calme inquiétant. C'est comme ça que je me suis mise à le chercher. Je suis descendue. J'ai crié, Delphin, où es-tu? Bon, je suppose qu'elle l'appelait sûrement chérie. Chérie Delphin, tu es où? Comme il n'y avait pas de réaction, elle est remontée. Elle s'est dit, bon voilà, j'essaie de voir dans la chambre des enfants. Comme il a l'habitude d'y prendre bain, peut-être qu'il est là-bas. Elle s'est rendue là-bas, Delphin n'y était pas. Finalement, quand elle va entrer dans la chambre, accouchée, elle va le trouver par terre. Et cette fois-là, devant la commission d'enquête, la dame Kaimbi va dire que mon mari a fait une crise. Je l'ai trouvé là gisant par terre. Mais quand j'ai essayé de le toucher, il était chaud. Je me suis mise à les masser tout en appelant ma mère. Seulement, elle ne nous dit pas combien de temps a-t-elle passé là en train de masser son mari. Elle ne nous dit pas combien de temps elle est restée avec sa maman qui, elle également, a apporté son aide, c'est démasser les beaux kilos. Pas seulement ça, monsieur le président. Elle ne nous dit pas qui d'autre était dans la maison. Lorsqu'on lui pose la question, elle dit, bon, le matin, j'ai arrangé les enfants comme d'habitude, je les ai apprêtés. Et ce jour-là, curieusement, ces enfants qui ont l'habitude d'être déposés, elle va dire non, comme les enfants fréquentent l'école d'à côté, ils sont partis à pied. Et pendant que j'ai cherché à apprêter les plus petits, je veux me rendre compte qu'il y avait un silence. Donc c'est dire, elle va encore déclarer que
j'ai quand même réussi à le tirer de la chambre pour le sortir au couloir. Moi, si ma cassie. C'est là que la maman va le dire. Excusez-moi. Permettez-moi d'éteindre mon téléphone. Alors, c'est plus tard qu'elle va finalement appeler les chauffeurs. Et lorsque nous avons entendu le chauffeur, que ce soit par devant ce tribunal, que ce soit devant la commission d'enquête, il a dit « Mama ebisakinga mon kondinayo ni diembiki ». Là, c'est le chauffeur. « Mama ebisakinga mon kondinayo ni diembiki ». Il y a quelque chose qui me tique, monsieur le président. Qu'est-ce qui me tique? C'est la façon avec laquelle madame Brenda a eu à changer de version. Elle va raconter aux amis de son mari que ces derniers se serait pendu à d'autres qui se seraient fait du mal, c'est-à-dire à Missa Limapé. Et finalement, devant la commission d'enquête, il a fait une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'on ne peut même pas exploiter? On ne peut même pas exploiter cette thèse-là. Pourquoi? Parce que les rapports médicaux légalité ne sont pas. En fait, en réfléchissant, elle s'est dit, si jamais j'ai continué à maintenir cette version, je serai coincée. Parce que nous avons suivi tous, quand on a posé la question, y aurait-il un endroit où on pouvait faire un nœud et suspendre quelqu'un? Elle a dit non. Sa maman a dit non. Le chauffeur a dit non. On va poser la question à madame Brenda par la commission d'enquête. Quand les choses sont arrivées, quand les faits se sont produits, qui était présent? Qui reste avec toi dans la maison? Elle dit non, non, il n'y avait personne. Le chauffeur était là dehors avec les gardes qu'on a eu à remplacer la nuit. J'étais là avec ma mère. Il n'y avait personne d'autre. On lui pose encore la question. Tu as des domestiques? Oui. Tu en as combien? Elle va citer quelques noms. Seulement, monsieur le président, madame Brenda a omis de citer les noms de l'un de ses domestiques. Elle a omis de citer ce nom, le fameux Gérard. Le fameux Gérard, qui s'appelle au fait Ndaisenga Baizi Gérard. C'est ça son vrai nom. Ndaisenga Baizi Gérard. Pourquoi a-t-elle omis ce nom? Alors que, monsieur le président, lorsque nous avons entendu le chauffeur qui était là présent, il a dit ceci. Le chauffeur,
Monsieur Gérard est allé le voir pour lui dire Namoni patron à côté na bureau. Je peux arranger la maison. Namoni patron à côté na bureau. Na kokyo bongisanda ou si je peux me le permettre de le dire en local. Et le chauffeur ben, va dire non, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Donc cela voudrait dire, monsieur le président, que dans la maison, il n'y avait pas que madame Brenda. Il n'y avait pas que sa mère. Il y avait également Gérard qui était là en train d'arranger la maison. Il y avait Gérard dans la maison. Ayant omis ce nom, on va lui poser la question, mais toi tu connais pas Gérard. Ah ok, Gérard. En fait, je n'ai pas cité son nom parce que je l'ai chassé depuis 2019. C'est vrai, il a travaillé chez moi. Mais depuis 2019, je l'ai chassé. La version qui va être contredite par madame Amina, qui va dire, et devant la commission d'enquête, et devant le tribunal des séances, que Gérard a commencé les travaux, si je ne me trompe pas, entre le 29 décembre ou le 2 janvier. En d'autres termes, lorsque madame Brenda essaie de dire qu'elle avait chassé Gérard en 2019, mais ce dernier ne travaillait pas encore chez elle. Il ne travaillait pas encore chez elle. Quand on va la rappeler à l'ordre que madame vous avez menti, automatiquement, elle change de version. Et là, c'est le comportement d'un criminel. Elle se dit, ah ok, en fait j'avais perdu de vue. Finalement, elle va dire, oui effectivement, il travaillait chez moi, mais je l'ai renvoyé parce qu'il était tombé malade. Le temps pour lui de se faire soigner. Cette version a été contredite par madame Aminata, qui a dit clairement, depuis que ce Gérard travaille chez madame, il n'est plus jamais rentré. Il n'est rentré chez madame Aminata qu'une semaine après le décès du général. Finalement, parce que quand on est en train de mentir, hein, on ne sait pas trop réfléchir. Elle s'est dit, bon là j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, ah oui. Au fait, lors de la pandémie, comme on avait demandé qu'on puisse faire partir des gens, j'ai renvoyé mes domestiques, y compris Gérard. Alors que monsieur le président, nous le savons tous, quand est-ce qu'on a commencé à parler de la pandémie? Ce n'était pas au mois de février. Cette rumeur ici au Congo et à Kinshasa a commencé vers le mois de mars et au mois d'avril, on est entré en confinement. Je ne peux pas oublier ça parce que j'ai servi la République pendant cette période. Moi, j'étais au travail. Mais déjà, au mois de février, quand son mari meurt, elle a déjà renvoyé Gérard pour cause des pandémies. Finalement, elle va encore évoluer pour dire, en fait, j'ai constaté pendant les deuils que Gérard était trop utilisé. Gérard le domestique, alors qu'il n'était pas le seul. Madame a cité les noms de ses domestiques. Mais voilà, elle est prise de pitié pour Gérard, les domestiques. Elle dit non, Bazotine l'a aimé. C'est comme ça que j'ai décidé de l'envoyer chez maman Amina. Alors que nous savons tous, monsieur le président, que pendant une telle période, la période des deuils, on reçoit des gens matin ou soir, surtout avec un monsieur comme général Kayimbi.
C'est pendant cette période-là que normalement, madame aurait eu besoin de tous ses domestiques pour assurer le travail à la maison. Mais non, c'est pendant cette période au fait qu'elle, elle choisit de renvoyer Gérard. Elle choisit de renvoyer Gérard. Un autre fait qui nous tique jusqu'à aujourd'hui. Et nous savons que même vous, le tribunal, vous êtes tiqué par ce fait. Monsieur le Président, je suis une femme. Prenons même que mon mari a des soucis au niveau du travail. J'évolue seulement dans sa version que son mari aurait fait une crise. Monsieur le Président, j'entre dans la chambre. Je trouve mon mari gisant par terre. J'ai quand même le temps de le réchauffer. J'ai le temps d'appeler ma mère. Et quelques temps après, on ne saura jamais apprécier de ces temps, vu que quand on lui pose la question là-dessus, elle s'était. Là, elle devient vraiment imprécise. Elle va finalement appeler le chauffeur, mais elle-même reste. Même à ce niveau-là, elle a donné deux versions, monsieur le Président. La première, j'étais en tenue de chambre. C'est la première version qu'elle a donnée. J'étais en tenue de chambre. Nazalaki n'a pyjama. Donc, je ne pouvais pas sortir dans ces états-là. Tenue de chambre. Mon mari, il a couché par terre. Monsieur le Président, je me soucie de mon apparence. Je me soucie de mon apparence. Alors que c'est lui qui m'a honoré est là en train de gir par terre. Mais non, moi je me dis, non, en pyjama, je ne peux pas. Je ne pense pas qu'une bonne femme, une femme digne de ce nom, réagirait ainsi. Parce que devant un tel fait, on s'oublie soi-même. On s'oublie. Nous avons vu des femmes accompagner leur mari en soutien-gorge. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de chercher un t-shirt. Nous avons vu des femmes accompagner leur mari avec un pagne autour de la poitrine. Parce qu'elle se dit, si je dois encore rentrer dans la chambre pour me chercher un habit, mais ce monsieur risque de mourir. Voilà comment doit réagir une bonne femme. Une femme digne de ce nom. Non, elle, elle choisit de soigner son apparence. Elle dit non, vous avez une tenue de chambre, vous avez une tenue de chambre. Quand elle va se rendre compte que cette version l'a fait passer pour une bête, une idiote, elle va encore évoluer. Là, finalement, elle va dire, non, non, en fait, j'ai eu mes règles. Sous ces chocs, j'ai eu mes règles. Parce qu'elle s'est dit, bon, si je donne cette version-là, on aura pitié de moi. Mais comment une femme pouvait se promener tout en prenant les soins? Elle devait prendre soin d'elle. C'est comme ça qu'elle est restée. Prendre soin d'elle. Mais moi, je vous dis, monsieur le Président, que j'ai balayé les deux versions. Parce que ce sont des versions qui ne tiennent pas debout devant une telle réalité. C'est une version qui ne peut pas tenir debout, monsieur le Président. Vous avez dans le dossier les relevés téléphoniques. Elle a dit que je n'ai appelé que mon pasteur, monsieur Jérémy Mpo. Je n'ai appelé que mon pasteur. Monsieur le Président, vous avez les relevés des appels téléphoniques. Vous allez les consulter lorsque vous allez vous retirer dans le secret des lieux. Vous allez voir que ce jour-là, elle n'a pas appelé seulement son pasteur. Un autre mensonge.
un autre mensonge. Alors la question est celle de savoir pourquoi tous ces mensonges? Que cache-t-elle? Elle cache quoi, monsieur le président? Parce que quand on est en train de mentir, on cherche à couvrir une vérité. C'est ça le mensonge, au fait. Le mensonge est là pour cacher une vérité. Et cette vérité, nous allons la démontrer par devant vous. Monsieur le Président, comme je l'ai dit tantôt, dans le rapport médico-légal qui se trouve dans le dossier, il est dit, si vous me le permettez, je peux le chercher, que le général, avant même d'entrer dans la conclusion, dans le développement, le médecin légiste a dit qu'il s'agirait soit d'une pendaison ou d'une strangulation. Au fait, la pendaison, c'est également la strangulation. Seulement dans la strangulation, il y a certains points qui rentrent en compte. Si je puis me permettre, monsieur le président, de définir la pendaison, je demanderai, lorsque vous allez rentrer chez vous, de prendre les dictionnaires français et de lire. La pendaison est définie comme étant le fait de suspendre une personne au moyen généralement d'une corde, mais aussi parfois de chaînes, par le cou ou les autres membres du corps, soit à des fins de poiture, soit en mise à mort d'une personne en la suspendant par le cou à une corde. C'est ça la définition de la pendaison. On peut utiliser soit une corde, soit deux chaînes. On peut suspendre quelqu'un, soit par le cou, soit par les autres membres du corps. Mais dans la strangulation ou l'étranglement, c'est l'action de serrer l'avant du cou pour comprimer les veines jugulaires, les artères carotides ou la trachée. Elle peut causer l'évanouissement ou la mort par asphyxie. Seulement dans l'étranglement ou la strangulation, on peut non seulement utiliser des cordes, même des mains, on peut étrangler quelqu'un avec des mains. On peut étrangler quelqu'un avec la posture des pieds, pour ceux qui ont fait les arts martiaux. On peut étrangler quelqu'un en utilisant un lacet ou un fil. Monsieur le Président, lorsque nous regardons le rapport médico-légal, effectivement, il s'en sort deux aspects. On parle de la pendaison, on parle également de la strangulation. Mais seulement, rien ne laisse entrevoir le schéma de suicide par pendaison. Parce que même si on parlerait des pendaisons, au regard du rapport médical, c'était l'effet d'une tierce ou des tierces. Quand je regarde Madame Brenda, quand je regarde sa mère, et quand je regarde le poids du feu général Kaïmbi tel que décrit dans le dossier, c'est quelqu'un qui faisait plus
de 90 kilos. Et une telle personne, moi je me dis, Brenda seule ne peut pas le maîtriser. Même si elle était là avec sa mère, les deux ne pouvaient pas maîtriser cet homme. Monsieur le Président, c'est un militaire formé. Un militaire formé. Et nous osons croire que dans cette formation, il y a aussi la self-défense. Il sait comment se protéger. Il sait comment réagir. Même si il y a eu la présence de Gérard dans la maison. Mais vous avez suivi. Le chauffeur. Il dit ceci. Lorsque nous étions dehors, nous avons entendu du bruit. Un fracas. Nous avons entendu également la femme en train de parler. Au départ, nous nous sommes dit, sûrement, ils sont en train de se tirailler. Et puis, plus rien. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte qu'un monsieur de ces poids-là, de cette carrure-là, fait une crise, tombe par terre, mais la personne qui est dans la chambre d'à côté n'entend pas du bruit. Franchement, monsieur le président. Un monsieur avec la carrure de plus de 80 kilos. À quoi il a fait ? La maman de la femme dit, non, moi j'étais en train de chercher à brosser mes dents. Mais tous étaient là au-dessus. Même la femme elle-même n'a pas entendu du bruit. Monsieur le Président. Mais ceux qui sont en bas, ils ont entendu du bruit au-dessus. Devrions-nous dire que Madame Brenda n'a pas entendu du bruit? Peut-être, parce que c'est elle-même qui est à l'action. Avec sa mère. Et Gérard, parce qu'il était là dans la maison. Il était là dans la maison. C'est pourquoi je me suis posé la question, comme je l'ai dit tantôt. Moi, je n'accepte pas cette version. Soit de changer de tenue, parce que j'étais en tenue de chambre. Soit parce que j'ai eu mes menstrues. Non, 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 non. Je sais pourquoi Madame Brenda a été restée. Elle est restée, premièrement, pour laver la scène du crime. Elle est restée pour laver la scène du crime. Elle est restée pour trouver le moyen de découvrir Gérard qui était encore dans la maison. Elle est restée pour s'assurer qu'il n'y aura rien qui pourrait trahir leurs actes posés. Et quand elle s'est rassurée d'avoir mis de l'ordre, elle va se décider finalement, là encore sa médecine, de prendre son véhicule, elle-même au volant. Waouh! Voici ma cassi! Voici ma cassi pinza! Elle prend son volant, le volant de son véhicule. Elle-même, elle conduit. Monsieur le Président, dernièrement, le conseil de la partie civile a posé une question, celle de savoir pourquoi Madame Brenda n'avait pas connu d'accident. Les gens se sont moqués de lui ici. Hein. Mais en fait, moi, je n'avais pas réagi. Mais j'ai compris. J'ai compris
qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce que selon les déclarations de tous et des fameux Jérémy, elle pleurait. Monsieur le Président, quand on pleure, mais la vision est brouillée. Monsieur le Président, quand on pleure, la vision est brouillée. On ne peut pas prendre le risque de prendre la voiture en pleurs comme ça. Heureusement, on a une zélaté. Parce qu'on est en train de pleurer. Mais elle, elle pleure, elle conduit. Quelle femme fantastique. Ne peut réussir dans ces conditions-là que seule la personne qui a commis l'acte criminel. Parce que là, elle n'a pas d'état d'âme. Seule la personne qui n'a pas d'état d'âme, qui resterait à la maison et laisser son mari être accompagné par d'autres personnes. Seule la personne qui n'a pas d'état d'âme aura ce courage-là de prendre son véhicule, de conduire pendant plus d'une heure. Pendant plus d'une heure. Donc, Monsieur le Président, vous allez comprendre que qu'il était logique de dire qu'avant de commettre le forfait, il fallait attendre que les enfants soient partis à l'école. Et pour effacer, il fallait rester. Monsieur le Président, vous savez, lorsqu'on parle d'assassinat, c'est comme si on était dans une pièce de théâtre où chacun a un rôle à jouer. Où chacun a un rôle à jouer. Monsieur Gérard est arrivé là-bas fin décembre, début janvier. Qui va amener Monsieur Gérard? C'est Madame Aminata. Mais elle-même, elle dit pourquoi Gérard est parti de la maison du bailleur, parce qu'il travaillait chez les bailleurs. Elle l'a dit dans ses déclarations, à cause de son mauvais comportement. C'est comme ça que les bailleurs l'ont chassé. Mais Madame Aminata va prendre une personne qui avait un mauvais comportement, parce qu'elle a vécu avec elle dans la maison. Elle va le recommander chez sa chère fille, Brenda. Sans s'inquiéter que ce monsieur qui a créé des problèmes dans Moto et à Mima et Awa a occupé pour créer les moines dans Naï Brenda. Si elle ne s'est pas inquiétée, parce qu'elle savait qu'en réalité, Gérard n'était pas là comme domestique. Il est venu pour accomplir une mission certaine et précise. Donc, Madame Brenda est là. Gérard qui arrive, 2 mois. Mais il fallait pas coacher. Parce que pendant 2 mois, il a le temps de maîtriser les habitudes de cette maison. Il a le temps d'être coaché par la personne qui l'a fait venir. Pourquoi avait-elle besoin d'un autre domestique alors qu'elle en avait déjà plus de 3? Était-il nécessaire, Monsieur le Président? Mais il suffit même de regarder les traitements pour comprendre qu'en réalité, il jouait le rôle des domestiques, mais il n'était pas du tout domestique. C'est ce qu'on a voulu faire croire au général. Parce que sûrement, il poserait la question à sa femme. Mais Moutoazo Salanité, Nabakissi Moulamoussala. Mais elle-même le sait, avec sa mère, quelle a été la mission de Gérard dans cette maison. Parce que, Bayebaki, Bangomi, Bale, Baokokate. 2 mois. Et le jour de la mort du général, lui, il était dans la maison. Gérard était là. Mais pourquoi tout ce monde cherche à cacher Gérard?
Monsieur le Président, lorsque vous regardez les relevés téléphoniques, avril, juin, Gérard continuait à émettre sur Pigeon. Et nous savons que là-bas, à Pigeon, il était chez Maman Minata. Maman Minata vous a dit que ce monsieur, c'était un pauvre. Il ne pouvait même pas se payer une maison. Quelqu'un qui était pauvre, qui ne pouvait pas se payer une maison ou un studio de 10 000 francs, mais était capable d'accorder sa maman 500 francs. Et il a dit ici, Monsieur le Président, quelqu'un qui n'est pas à mesure de se payer une maison, il y a 10 000 francs, mais est à mesure, il redéfie sa barre aux 500 dollars. Wow. C'est pourquoi je dis que chacun avait son rôle à jouer, comme dans une pièce de théâtre. Bazungi, ce n'est pas Maman Minata, avec de vivres, Namutuka. Parce que, en fait, la mission était accomplie. Quelle attention particulière, quelle considération vis-à-vis d'un seul domestique, un seul domestique. Je me retiens d'ailleurs d'entrer dans d'autres considérations parce que une telle attention, ça laisse à désirer. Monsieur le Président, Monsieur Jérémy Mpo, au fait, vous allez vous rendre compte que eux tous, hein, ils ont évolué dans le mensonge. Eux tous. Monsieur Jérémy, on lui pose la question. As-tu le numéro de Madame Brenda? Finalement, il va comprendre qu'il sera coincé parce qu'un numéro qu'il a appelé et qu'il n'a pas décroché, lui-même va rappeler le numéro. Ce qu'il a dit, tant on a moni, appelle na elle, na téléphone, on a rappelé. Oubliant qu'au départ, il avait un numéro. On va lui poser une autre question. Es-tu déjà allé chez Madame Brenda? Dis non, non. Je ne suis jamais allé là. On se rencontre juste à l'église. Parce que quand il a répondu ainsi, il ne savait pas que Madame Brenda avait clairement dit que ce monsieur se rendait chez elle 2 à 3 fois la semaine. C'est ce qu'elle a dit sur PV. Et elle a dit qu'il se rendait là-bas que quand son mari n'était pas là. Yo pasteur, ozo ki no tala ka mwasi a bato libala na ndako ne kaka ka mobala salaka te. Pourquoi? Et violant même le principe de établi dans l'église. Vous avez suivi à Moudrando ici. Monsieur Jérémy a violé les principes établis à l'église. Lesquels principes? Ils n'ont pas le droit de rendre visite à leurs adeptes. Mais lui, il passait là-bas 2 à 3 fois. D'abord la semaine. C'était pour faire quoi? À l'insu de son mari. Il est resté avec Maman Brenda pendant plus de 10 ans. Il part chez elle, mais il ne connaît pas son mari. En fait, il partait là-bas faire quoi? Pour prier pour le mari? Nous disons non, monsieur le président. Il partait là-bas parce qu'il devait apporter sa pierre dans l'exécution, dans la commission de ses faits. C'est comme ça que si le général est là, il sera curieux de savoir, mais c'est monsieur, qu'est-ce qu'il vient faire chez moi? Et le général risquerait de découvrir les complots qui étaient en train de se mettre en place. C'est comme ça que, en fait, moi je me dis, sûrement, il appelait d'abord la dame. Azali? C'est à Sabimi déjà au Kokoma. Et là, il débarque. Et vous allez remarquer que le même jour que monsieur
le général pique une crise, selon la version de son épouse. Il est là présent. Il était malade. Tout d'un coup, là, il est guéri. Il est guéri, monsieur le président. Il renonce même à aller à l'hôpital. Parce que, au fait, et ça, c'est moi qui s'en va bien. Si vous devinez, c'est moi qui s'en va bien, c'est ça, là. La fièvre est qui mis. Ma bête, il va accrocher ce qu'il va vous faire. Finalement, on va se présenter à l'hôpital plus d'une heure. Seulement, puisque la mission était déjà accomplie, fallait-il revenir encore sur le lieu de la commission de fait? Il s'est dit non. Vous savez, la conscience, ça ne nous laisse jamais tranquille. Personne ne connaissait sa mission. Personne ne savait ce qu'il a commis comme acte. Mais c'est sa conscience au fait. Il a commencé à se poser des questions. Est-ce que son acte est bon? Tant que tu as un peu de temps, son adepte pour qui il a abandonné même de partir à l'hôpital perd son mari. Monsieur ne se présente pas. Et monsieur le président, vous croyez vraiment qu'il ne s'est pas présenté parce qu'il était malade? Non. Il est resté parce que c'est comme ça qu'il est resté chez lui. Parce que sa conscience ne pouvait pas le laisser tranquille. Monsieur Olivier, le fameux neveu de Madame Brenda. Comme je l'ai dit tantôt, chacun a son rôle à jouer. C'est par rapport au rôle joué dans la pièce de théâtre qui, en réalité, ça, c'est pas une pièce de théâtre. Parce que là, nous sommes dans la réalité. C'est au regard de chacun de rôle joué que nous, ministères publics, nous nous sommes dit, ceux-là sont des complices, les autres-là sont des auteurs principaux. C'est lui, après avoir accompli leur mission, il va recevoir l'appel de la tante. Sûrement la tante lui a dit, petit n'angé c'est Simbi. Tout barré comme moi, bah, une semaine. Hein. Et après, tu vas le prendre là, amène-le chez maman Aminata. Foufou, Massango, Losso, Soso, Poisson, tout, tout, tout là. Mais Maïk, c'est lui, son rôle au fait, hein, c'était de récupérer l'un des co-auteurs pour aller l'amener quelque part. De peur qu'il se mette à parler. Parce qu'il s'agit de la mort d'un homme. Ils ont eu peur que si Gérard continuait à traîner là-bas, il risquerait peut-être de parler. Il risquerait peut-être de commettre un faux pas qui va nous trahir. Alors, il faut l'évacuer rapidement. Il va les déposer chez maman Aminata. Qui va l'accueillir et va l'aider à se volatiliser dans la nature. Quand on va mettre la main sur Olivier, il savait que son le mari à sa tante était décédée, on suppose l'oncle était décédé. Il savait que sa tante et sa grand-mère ont été entendus sur PV, y compris quelques personnes dans la maison. Il le savait, il était au courant. Un habitué de la maison, il connaissait Gérard. Mais quand on va lui poser la question sur Gérard, il va dire, oui, Naebi Gérard, Azaki est né à Bisson à l'université à l'IEC. Alors que conscient que quand on lui pose la question, c'est en rapport avec ce qui est arrivé à la maison. Non, lui, il va désorienter pour dire que non, c'est un aîné de l'université. Il ne fait pas mention à Gérard comme sa tante. Et pendant ce temps, elle s'est dit non, il faut la bien attendre rapidement par rapport à Kopo, la directive. Elle reçoit l'appel de la tante. La tante lui dit
c'est acté sur PV. Confirmé devant le procureur. Il dit, ce qui va tout mieux concernant ma domestique. Kanga. Et c'est ce qu'il a fait. On lui a demandé de se taire. Surtout que c'est lui qui a évacué un des co-auteurs. Voilà sa participation. Celle de récupérer l'un des co-auteurs et de l'amener chez Madame Anoula. Madame Aminata qui, elle, à son tour, après quelques temps, va l'aider à disparaître. Monsieur le Président, mais moi j'étais étonnée. C'est Gérard qu'on considérait comme un domestique pauvre qui ne pouvait pas se payer une maison. Mais il a l'argent dans son compte, hein? Que peut-être nombreux parmi nous n'ont pas. Il avait plus de 3000 dollars. Quelqu'un qui ne peut pas se payer une maison de... En fait, en réalité, sa mission, ce n'est pas de louer une maison. Quoi, Fanda? Non, 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 non. Ils ont dit comme moi, vite fait. Il ne pouvait pas rester. Mais dire qu'il ne pouvait pas se louer une maison parce qu'il était un indigent, c'était faux. La preuve, Badé Faimbo. C'était elle, elle était là, son rôle. C'était de recruter Gérard. Gérard vient, elle aide les deux dames à commettre leur forfait. Elle récupère Gérard pour le faire disparaître jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et monsieur le président, le dossier de Gérard est ouvert. Au moment opportun, on viendra toujours vous déposer. Amoudrandoy. Amoudadroy. Excusez-moi, je suis en train de massacrer votre nom, je n'arrive pas à bien le prononcer. Pasteur, un homme de Dieu. Brenda toujours dans ses folies, n'a pas force là. Elle appelle, après l'avoir appelé X, Y, Z, tout ça, elle appelle monsieur le pasteur. Ah voilà, mission accomplie. Ah ok. D'accord. En fait, je ne peux pas trop parler avec toi parce que là, les gens vont se poser des questions. Hein. Mais moi, ce Koufeli Mobali, à Sololaka, on a téléphone, moi, Nene Nini. Le message est passé. Qu'est-ce qu'on fait? On doit prendre des dispositions. Là, j'appelle la maman parce qu'on suppose, elle peut quand même parler au téléphone parce que Brenda doit continuer à jouer le rôle de la femme qui vient de perdre son mari. Et là, ils donnent des instructions. Pasteur. Pasteur, Brenda était chez elle. C'était une femme légitime, protégée par la loi. Qui pouvait venir bouger cette femme après la mort de son mari? Il suffisait qu'elle vienne me voir pour me dire, madame le procureur, ma belle famille m'embête par rapport au bien de mon mari. Je me serais occupée de cette situation parce qu'elle était mariée légalement. Non. Elle choisit une autre voie. Celle de prendre certains biens des valeurs. En complicité avec Amoudrandoy. Qui a donné au fait moi idée. Hein? Bilo Konangaï. Au fait, c'est Bilo Onaï. C'était ses biens, elle, parce qu'elle était mariée à monsieur Delphin Kaimbi. C'était ses biens à elle, par le mariage. Mais non, puisque ne se considérant pas comme la femme du général, du fait de l'avoir donné la mort, elle s'est dit non, il faut en récupérer Bilo. Une femme qui perd son mari, vous pensez que c'est la maman là qui est allée sortir les... Aïe, maman, 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 Bilo, on est... Sa maman avait autant de liberté pour entrer dans le bureau, partout là pour sortir. Tout ce que... La liste est là dans le dossier, monsieur le président. Je ne vais pas l'énumérer ici. Sa mère ne pouvait le faire qu'avec sa fille. Parce que c'est la fille qui connaissait Bilo Nitobomba. Et Amoudrandoy se porte garant. Mission accomplie, bientôt récupérer Bilo. Parce que la ministre, il faut gérer. Ceux qui
Et qu'est-ce qu'un sous y a aux apparts nénés? Il fallait qu'il s'assure. Il y a ma bilo ni ni bazui parce que R a partagé aux apparts nénés. Monsieur le Président, voilà comment se sont passés les faits. Et Monsieur le Président, c'est vrai lorsqu'on parle de l'assassinat, qui est différent au fait du meurtre, c'est par ses caractères aggravants. La préméditation. Vous voulez me poser la question, comment démontrer la préméditation? Mais Monsieur le Président, je viens de les détailler. Madame Aminata recrute Gérard par la demande de Brenda Kinsley. Gérard passe avec Brenda, Madame Aminata qui passait là-bas de temps à autre, tout ça. 2 mois. Et c'est pendant ces 2 mois-là que toutes les pièces des puzzles se sont mises en place. C'est là la préméditation. Parce que là, ils étaient en train de réfléchir. Yoro Salanini, Yoro Salanini, Yoro Salanini. S'il y avait préméditation. Seulement, comme on dit toujours que l'occasion faisant les larrons, va profiter car un adversaire n'a pas de problème à Zalanglamsala. Parce que pour eux, ils croyaient que cela va passer, car à qui il y a problème même ça là. Ils se sont dit, c'est ça le moment de frapper. Monsieur le Président, 2 mois c'est beaucoup. Hein? 2 mois c'est beaucoup pour mettre une telle machination en place. Et c'est ce qui a été fait. Le général Kayimbi n'est pas mort par crise, comme a voulu le faire croire, madame. Elle est la seule qui a évolué dans ses versions. Tous les restes, les amis, ils sont restés intacts dans leur déposition. Monsieur le Président, c'est vrai que l'assassinat, c'est un acte positif. Je suis d'accord avec vous. L'assassinat, c'est un acte de nature à donner la mort. Donc, c'est un acte positif. Quand on donne la mort, on ne parle pas de la mort d'un chien, d'un être humain. Y a-t-il eu mort? Nous disons oui. Nous disons oui. Parce qu'on parle du général Delphin Kayimbi. Y avait-il préméditation? Nous disons oui. Il suffit de regarder le temps que cela a pris pour préparer cet acte ignoble. Et l'élément moral. Lorsqu'on donne la mort, c'est pour quelle finalité? N'est-ce pas l'intention de la mort? Donc vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, qu'il a bel et bien eu l'assassinat du général. Pas par suicide, parce que les éléments pouvant conduire au suicide ne sont pas possibles, mais par strangulation, par pendaison, qui a été l'acte commis par Brenda, sa maman, et les fameux Gérard Ndaïe. Par rapport aux complices, Monsieur le Président, j'ai démontré l'apport de tout un chacun dans cette pièce de théâtre. Chacun a eu leur rôle à jouer son rôle et cela a été démontré. Sur ces, Monsieur le Président, vous direz établi
En fait, comme on voit, l'infraction d'assassinat, telle que prévue et punie par le code pénal livré 2 à ses articles 43, 44, 45. Vous condamnerez Madame Brenda et sa maman, co-auteurs principaux, à la peine capitale. Vous condamnerez Monsieur Olivier Makita par rapport à son apport qui a été aussi grave, c'est lui de faire disparaître l'un des co-auteurs. Monsieur Olivier avec Madame Aminata, vous le condamnerez à 20 ans de servitude. Et à $10,000 d'amende payable en monnaie locale. En cas de non-paiement de cette amende, vous les condamnerez à 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Pour le cas des deux pasteurs, pour le cas des deux complices, monsieur le président, un pasteur n'agirait pas ainsi. Pour le cas de deux complices, vous condamnerez monsieur Amunda Droy Chanot à 15 ans de servitude pénale principale. 15 ans de servitude pénale principale et à $5,000 d'amende payable en monnaie. Et en cas de non-paiement, vous les condamnerez à 3 mois de servitude pénale subsidiaire. Les fameux Jérémy qui seront dans la maison d'autrui à l'intention du mari, à l'absence du mari. Pour monter des stratégies, vous les condamnerez à 10 ans de servitude pénale principale et à $3,000 d'amende payable en monnaie locale. Vous mettrez à leur charge le frais d'instance. Que vous allez les répartir de manière ci-après. Monsieur Olivier et Madame Aminata prendront 70%. Monsieur Amoudrando prendra 20% et Monsieur Jérémy prendra 10%. En cas de non-paiement de ces frais, vous les condamnerez à 14 jours de contraintes par corps. Ainsi, vous aurez fait justice, nous avons dit. Koi Okale Brenda. Histoire du ministère public et les conclusions évidemment de la partie civile. Nous sommes très à l'aise parce que vous aviez constaté que le ministère public est resté dans les suppositions. Alors qu'il y a un contrat judiciaire évidemment qui nous lie, qui est devant votre vice-tribunal. Je fais allusion évidemment à la citation à prévenue
et à la requête aux fins de fixation d'audience, qui sont les contrats judiciaires, évidemment, qui doivent nous lire, évidemment, toutes les parties, évidemment, dans ce procès. Mais le ministère public a choisi, évidemment, la voie d'aller dans les suppositions. Comme vous n'êtes pas allé directement accompagner votre mari, tout ça, nous supposons qu'il y a assassinat. Comme elle, tout. Donc, les suppositions sur les suppositions. Nous allons rester, évidemment, attentif évidemment par rapport au contrat judiciaire. Nous serons aussi évidemment bref et clair par rapport à la vraie question qui continue à demeurer. Parce que la vraie question, vous avez compris que même le ministère public n'est pas évidemment, n'a pas été à l'auteur évidemment de pouvoir répondre à la vraie question. Démontrer par exemple que Mme Koyokale a eu à poser tel acte positif, évidemment, qui a eu entraîné la mort de son mari. Rien du tout. On a nagé seulement dans les suppositions. Notre plaidoirie va s'articuler, évidemment, sur trois points. Le premier point, ce sont les observations sur le plan de la forme. Le deuxième point, c'est un bref exposé, évidemment, des faits. Et le troisième point, nous allons toucher sur les droits détenus ou condamnés en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Et ça continue un peu pour dire que ceci, ni ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle a été commise et au moment des poursuites. Ça, c'est l'article 17 que je viens de lire de la Constitution. Je vais aussi à l'article 18, à son alinéa premier, qui dit ceci. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation, de toute accusation portée contre elle, et c'est dans la langue qu'elle comprend. Je me vais pour lire encore d'autres dispositions légales. Article 57 du Code des procédures pénales. Requête au fait de fixation d'audience. Vous avez la citation à prévenu devant votre table. Reste flou. Imprécis, incompréhensif. Donc on ne sait pas exactement de quoi on est en train de reprocher évidemment à nos clients. On ne comprend pas à votre honneur. Le ministère public a eu évidemment à dire ici que l'infraction d'assassinat nécessite évidemment la réunion de certain nombre évidemment d'éléments, notamment l'élément matériel, qui est l'acte positif. Je pense qu'à l'audience passée, nous avions eu non seulement à faire poser cette question au ministère public, mais également à la partie, à la prétendue partie civile, pour nous démontrer de quoi on est en train évidemment de reprocher à nos clients par rapport évidemment à ces contrats judiciaires qui nous lie. Vous avez vu, vous avez remarqué, votre honneur, les agitations, évidemment, dans le chef de la partie civile. La partie civile a été même incapable, évidemment, de nous dire de quoi on était en train, évidemment, de reprocher à nos clients. Et vous avez compris aussi, c'est la même méthode que le ministère public a opté aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller en supposition sans nous dire exactement de quoi on reproche à Madame Koyokale Brenda. Donc, par rapport à ça, votre honneur, vous constaterez que ce flou reste même au niveau de la qualification. Lorsque vous regardez les pièces de détention, évidemment, de M. Olivier,
vous allez comprendre que votre honneur, il y a ce qu'on appelle l'étantonnement. Dans le même office qui est l'auditoire général, on dit tantôt, parce que même les ministères publics ont développé évidemment son réquisitoire, vous avez compris que il parlait tantôt de l'association de mafetaires. J'ai le document ici avec moi. Les pièces de procédure, vous pouvez voir la cote 322, 330. Donc, le ministère public lui-même est incapable de nous dire de quoi il est en train de reprocher à nos clients. Vous remarquerez que tantôt on dit les pièces que nous avons, nous allons évidemment annexer dans notre plaidoirie. On dit tantôt que l'association de Marfetien, tantôt on dit c'est l'assassinat, tantôt sur la situation prévenue, on dit la complicité à l'assassinat. Votre honneur, on ne comprend rien. On ne comprend rien. La vie même est sacrée. Ce n'est pas que parce qu'on occupe évidemment un poste quelconque, on est appelé évidemment à bafouer sur les droits des gens. On ne comprend rien, votre honneur. Et par rapport à cela, vous allez tout simplement, au niveau seulement de la forme, dire irrécevable la présente action. Et par conséquent, vous allez acquitter non seulement Madame Koyokal, mais tous les autres aussi, évidemment, innocents, qui sont arrêtés arbitrairement par le droit général. Donc, l'espoir qui vous lie n'est pas clair. Il y a obscur libelli, raison pour laquelle vous allez tirer les conséquences des droits au niveau seulement de la forme par rapport à ce que nous venons évidemment de pouvoir, nous venons de développer. Mais si votre tribunal estimait évidemment, tenir compte évidemment de l'instruction proprement dite dont il a eu évidemment affaire dans cette affaire, il y a lieu quand même évidemment de vous donner la vraie version des faits. Contrairement à ce que le ministère public a eu à vous relater ici, et contrairement aussi à ce que la prétendue partie civile a eu à vous relater. Qu'est-ce qui se passe, votre honneur? Je vais vous épargner évidemment de tous les autres détails. Nous sommes au mois de février 2020. Le général est interpellé évidemment par des services évidemment judiciaires. Certains ne sont pas là évidemment pour parler de manière un peu détaillée de ces dossiers. Ce n'est pas ce dossier qui nous intéresse, mais au moins nous avons l'obligation de vous dire ce qui s'est passé au juste. Au mois de février avant d'abord, quelques jours avant sa mort, il était déjà suspendu de ses fonctions. Suspendu de ses fonctions. Mais à la date du 28 février 2020, votre honneur, je suis en face pratiquement de 4 ou 5 décisions prises par l'auditorat général. Lorsque vous regardez la sous-farde des 4 qui est intitulée pièce de procédure, vous allez remarquer, il y a d'abord une réquisition au fait d'enquête où l'auditorat général demande à l'administrateur général de l'ANR à mettre à la disposition des techniciens informatiques à même de distinguer les matériels informatiques électroniques ou autres usuels de ceux qui peuvent être utilisés pour espionnage ou contre-espionnage. Là, c'est la première décision prise par l'auditoire général. Vous allez encore remarquer, votre honneur, il y a une deuxième réquisition d'information, numéro 0028-2020, où l'auditoire général demande au commandant de la 14e région militaire
de mettre à la disposition des 30 30 éléments PEM pour assurer la garde du général pendant son assignation en résidence civile. J'ai également, votre honneur, une autre troisième réquisition d'information. La réquisition d'information, vous trouverez la cote 352, où l'auditorat général prend la décision de mettre le général Kaïm A en résidence civile. Je pense que vous avez très suivi les renseignants. Les renseignants, son propre ami, qui a fait avec lui pratiquement 23 ans de vie. Je m'étais évidemment pour citer les noms des gens, mais vous avez le PV d'audience de la fois passée. Cet ami vous avait dit, évidemment en dehors des preuves de témoignages que nous avons, que quelques jours avant sa mort, le général Kaïm lui avait dit qu'on était en train de chercher sa tête. Et lorsque vous regardez aussi évidemment les PV d'audition de ces mêmes renseignants au niveau de cette prétendue évidemment commission d'enquête, je ne sais pas si elle a été instituée par qui, parce que nous avions eu évidemment le temps de lire évidemment tous ces dossiers, mais ni par on a trouvé évidemment une décision dans le sens évidemment d'instituer évidemment cette prétendue commission. Mais lorsque vous lisez évidemment les PV évidemment de ces mêmes renseignants, vous allez trouver qu'il est allé même très loin. Okay? Quand j'ai appelé mon ami, il m'a dit que j'étais en train de demander certaines conditions au niveau de l'auditoire général. Mais je trouve que si ces conditions ne sont pas réunies, en tout cas, je conclue que là, c'est comme si on était en train de chercher ma mort. Ça, ce n'est pas Brenda. Ce n'est pas aussi Olivier. C'est lui-même, quelques jours avant sa mort. Et lorsque vous essayez un peu de faire aussi une analyse, parce que on ne peut pas évidemment nous faire croire ici que le général n'était pas une personne humaine. Par rapport seulement à ces décisions prises par l'auditorat général à la journée du 27 février 2020, on doit se poser la question. Le général Kaïm pouvait avoir quel état d'esprit. Ou même toute personne qu'on pouvait mettre évidemment à sa place devant ces aléas-là. La personne pouvait avoir aussi quel état d'esprit. Donc là, c'est uniquement pour vous démontrer évidemment. Mais par rapport à ce que le ministère public a voulu dire, que la préméditation, tout ça, maintenant nous allons demander la question de savoir si cette préméditation qui était déclarée évidemment par l'intéressé lui-même avant même sa mort pouvait provenir de son épouse ou bien d'ailleurs. Et vous étiez même témoin ici, votre honneur, en posant la question à ces mêmes renseignants. Le renseignant vous a même dit, non, pour raisons qui me sont propres, je souhaite évidemment ne pas aller au détail. Je souhaite ne pas aller au détail. Mais le renseignant a quand même à dire que non, si le mal pouvait provenir, si ce n'est pas à Brenda, le mal pouvait provenir. Mais le deuxième renseignant qui était aussi évidemment pratiquement son ami, parce que le fait de passer plusieurs temps comme son chauffeur, vous a dit même ici aussi, non seulement
Madame Brenda ne pouvait rien faire de mal à son mari. Mais aussi même M. Gérard ne pouvait pas aussi faire du mal au général Kayembe. Il est allé même très loin pour dire que même pas avoir la force évidemment de faire le mal au général. La question que nous allons nous poser, cette prétendue préméditation que le ministère public n'a pas été même à l'auteur de pouvoir nous démontrer, évidemment, elle pouvait provenir de qui? Mais votre honneur, ce qui nous intéresse, c'est la journée du 28. Nous sommes le 28 février 2020. Madame se réveille, comme toute maman, elle était appelée évidemment à certains devoirs, de remplir évidemment certains devoirs évidemment vis-à-vis de ses enfants. Ça veut préparer les enfants pour aller à l'école qu'on sort. Mais subitement, votre honneur, elle constate que son mari est tombé. Avec cette émotion, votre honneur, madame, non seulement elle fait appel aux militaires qu'on avait placés les 27, plus de 30 militaires permis qu'on avait placés. Curieusement, aucun militaire ne vient pour secourir, évidemment, madame. Aucun militaire. Et c'est de cette façon qu'elle appelle sa mère. Elle appelle le chauffeur. Et comme, avec ce choc, votre honneur, avec ce choc, elle voit brusquement, évidemment, ses règles. Et avec la tenue, évidemment, de chambre qu'elle avait, elle s'est dit non. Au lieu, évidemment, de prendre le temps pour s'échanger, tout ce qu'on sort, elle donne l'ordre, évidemment, à ses chauffeurs et à sa maman de pouvoir amener son mari à l'hôpital. Parce qu'il fallait absolument sauver la vie de son mari. Il fallait absolument. Et vous avez suivi les déclarations de leur chauffeur, Serge. Contrairement à ce qu'on est en train évidemment de fabriquer comme thèse de pendaison qu'on sort, tout qu'on sort. Vous connaissez, vous avez les dossiers, parce que le ministère public a voulu même dire qu'il y a contradiction évidemment dans les propos de notre cliente. Vous avez ces dossiers. Ni pas, je ne sais pas s'il y a un PV où notre cliente a déclaré que son mari aurait se suicidé. Hein, votre honneur, ni pas. Une thèse fabriquée, je ne sais pas où. On vient pour chercher à gober, évidemment, notre cliente. Vous, votre honneur, mais c'est quand même, c'est une intellectuelle. Hein? Non seulement c'est une intellectuelle, mais c'est quand même une personne humaine. Hein? Parce que son mari n'est plus là. On cherche évidemment à lui faire gober, évidemment. C'est un propos pour dire que non, Oloba Kibo et tout qu'on sort. Nous sommes où, votre honneur? Nous sommes où? Je pense que vous avez suivi les déclarations de Serge. Lorsque Serge vous dit que lorsque je suis venu, je n'avais pas vu la corde. Hein? Quelqu'un qui s'est pendu, pas de corde, pas tout qu'on sort. Serge vous dit, je n'ai pas vu la corde. Et il est allé même très loin pour dire que derrière, dans cet endroit, comment on peut crocher même une corde dans cette maison? Il n'y a pas d'endroit pour crocher la corde. Serge a été clair. Et Serge est allé même très loin. Et lorsqu'il a pris, évidemment, le général respirait. Il était encore vivant. Ils sont arrivés à l'hôpital. Et quelques minutes après, évidemment, sa femme est venue aussi. Évidemment, accompagnée de son pasteur. Je vous avais dit même l'autre fois ici, un chrétien, c'est celui qui concepte avant toute chose son Dieu. Où est le mal? Si par exemple, Madame Koyokale trouve que son mari est dans une situation, tout ça, prendre les dispositions pour appeler son pasteur à faire la prière. Où est le mal, votre honneur? C'est de cette façon qu'ils sont arrivés à l'hôpital. Cherchez évidemment à faire la prière. Vous voulez voir aussi évidemment là où on avait mis son mari. Mais
curieusement, elle est arrivée là-bas. Il y avait l'interdiction d'accéder. Ce n'est que pratiquement après 2 heures du temps qu'on appellera sa maman pour dire, ah non, appelle la attention, bâtelle la tension, tout comme ça. On est où votre nez? On est où? Et madame a revu son mari seulement 9 mois après. Et cette fois-ci, dans les cercueils. Votre nez. On nous parle ici, évidemment, de certains rapports médicaux, tout consort. Mais ces rapports ont été, évidemment, dressés par qui? Et devant qui, votre honneur? Ces rapports qu'on est en train de... Des rapports d'ailleurs contradictoires. Rapports qui n'ont pas fait l'objet du débat. Parce que l'affaire était déjà en justice. Normalement, avant toute chose, on pouvait aussi appeler les autres pour dire dans nous devant tout consort. Non seulement ça. Moi, j'ai apprécié même la position de votre tribunal. Vous êtes un tribunal aguerri, votre honneur. Je ne veux pas vous flatter. Je vous dis ce qui est vrai. Dans votre instruction, vous n'avez même pas voulu, évidemment, évoquer même cette question des rapports médicaux tout autour. Trop de contradictions. Nous tous, nous avions eu quand même à lire ces rapports. Tantôt, on parle tantôt, je dis tantôt. Ce n'est pas une confirmation. Tantôt, c'est l'hypothèse de pendaison. Tantôt, c'est l'étranglement. Tantôt. Nous sommes où? Et l'auditoire général, devant évidemment ces contradictions, l'auditoire va même évidemment réquisitionner encore un troisième, je pense, entre guillemets, médecin, pour lever ces contradictions. Et le troisième médecin, elle reste toujours évidemment dans ces à peu près. Votre honneur. Non, ces rapports ne peuvent, ou tous ces rapports ne peuvent pas évidemment nous être liés, votre honneur. Ce sont des choses qui ont été faites, évidemment, sans la présence de notre client ou de nos clients. Voilà, nous sommes maintenant la journée du 29. Cette fois-ci, c'est un autre dossier qui est ouvert. Mais cette fois-ci, c'est contre les innocents. On ramasse tout, l'auditoire général ramasse tout. Et même parce que on a essayé même évidemment de se poser certaines questions. Comment expliquer? Vous poursuivez des personnes pour prétendre assassinat. Mais vous tenez, le dossier du défunt Kayimbi vient faire quoi dans ce dossier ici? Parce que vous allez constater le dossier que l'auditeur général avait poursuivi évidemment le général Kayimbi de son vivant pour atteindre la sécurité de l'État et espionnage. Ce dossier est bel et bien à l'intérieur de ce dossier. Est-ce que nous avons besoin de... Donc, c'est bricolage, les tamponnements. On ne sait pas de quoi il s'agit. Et vous allez comprendre que les mêmes méthodes que l'auditoire général a utilisées, évidemment, contre les défaits Kayim, ce sont les mêmes méthodes, évidemment, que l'auditoire va utiliser encore contre sa propre femme, la veuve Kayim. Ordonnance de mise en liberté contrôlée, résidence surveillée, ceci, cela, tout. Les mêmes méthodes, votre honneur. Et ce qui est curieux, non seulement on prend Madame Kayimbi, on prend sa maman, on ramasse même d'autres innocents, les pasteurs. Quelqu'un qui est allé accompagner sa fidèle pour faire la prière, on les prend parce que tout ça. Hein, on ramasse tout le monde. Et le dernier enlèvement, c'est de notre client Olivier, qui est ici. 4 mois après le décès. Mais le ministère public devrait quand même nous démontrer, évidemment, le niveau de complicité d'Olivier. Parce que la complicité doit en principe précéder, évidemment, la mort. Mais votre honneur, ça devrait précéder la mort. Olivier n'habite même pas, évidemment, cette maison. Il est venu comme tout le monde, il vient, il y a deuil, il y a tout comme ça. Et ce jour-là, je pense que c'est le 28 juin 2020, pendant qu'il était derrière les courses, évidemment, pour chercher de l'eau à boire pour les enfants du défunt, on va enlever Olivier. On enlève Olivier, d'abord pour une destination inconnue, et puis on l'amène pratiquement à 17h. À l'auditoire général,
il est verbalisé par un inspecteur. À 17 heures juste, pratiquement l'inspecteur fait le rapport au général Basileba pour dire que non, bon, en tout cas, le monsieur nu, il n'y a rien, tout comme ça. Et Basileba oblige encore l'inspecteur à pouvoir reprendre encore l'audition à 19 heures. Regardez le niveau de la torture morale infligée contre mon client, votre honneur. Ça, c'est quelle justice? Ça, ce n'est pas la justice que les magistrats suprêmes, les chefs de l'État, sont en train de prôner, votre honneur. Ce n'est pas dire que parce que c'est une justice militaire, mais on est appelé évidemment à faire n'importe quoi. Mais c'est d'abord la justice, votre honneur. C'est de cette façon qu'on va reprendre encore à 19h. Quelqu'un qui est sorti le matin sans manger. Et même l'OPJ, quand vous lisez, si vous lisez évidemment, c'est le PV d'Olivier devant l'inspecteur Jeannette, je ne sais pas quoi, tout ça. Nous allons vous donner avec précision tout ça. Vous allez remarquer que même l'inspecteur elle-même, elle avait compris qu'elle était devant une personne qui était déjà affaiblie. Il n'avait pas mangé depuis le matin. On a saisi son téléphone, son agent, tout comme ça. Et il a fallu encore que l'inspecteur essaie un peu de demander tout ça. Au père, ça y est, même moi, quelque chose, là, t'as 10 000 francs, bah, son bail bloc, tout comme ça. Regardez-moi. À 19h, une autre audition. Heureusement, Olivier est resté, tout ça. Mais, lorsque vous essayez un peu d'analyser, évidemment, l'esprit, évidemment, de ces auditions, vous allez comprendre que l'auditorat général cherchait à tout prix, évidemment, obtenir certaines déclarations auprès d'Olivier, parce que comme il tenait absolument évidemment à voir les vraies causes évidemment du décès du général, et il fallait absolument torturer même les gens pour obtenir évidemment certains aveux et tout ça. Heureusement, Olivier manquait cette faiblesse. Il est resté constant dans ses déclarations. Le ministère public a voulu même tout ça. Mais il vous dit, le Gérard que vous aviez remarqué sur mon répertoire, c'est un ancien encadreur. Olivier ne connaissait même pas évidemment le nom de ses domestiques. Il ne connaissait pas. Ce domestique a quitté comme tout autre domestique. Madame a compris que bon, son mari n'était plus là et puis les charges, tout comme ça. Bon, il faut payer tous les domestiques et tout ça. Et pendant que Olivier voulait évidemment sortir pour d'autres courses, on va lui dire non, on va vous voyez payer au même. Et ce n'était même pas madame. Ça, je vous dis. On va vous en moutouan, au même comme Azana, moi, Babiloko, tout ça et tout ça. Et maintenant, et ça, c'est après, disons après même. Et maintenant, Olivier, on va dire que c'est une complicité à l'assassinat. Votre honneur, je n'ai jamais vraiment reçu ces droits. Ça, ce n'est pas les droits, votre honneur. Voilà un peu, du point de vue fait, comment ça se présente, les faits, ça se présente. Mais en droit, votre honneur, je pense que j'ai eu à... Vous avez exposé les faits, vous allez aussi exposer en droit. Oui, en droit, il va me compléter, votre honneur. Il va me compléter, nous avons encore 60 minutes, votre honneur. Nous avons 60 minutes. Un lien quand même de vous rappeler comment ce dossier est venu devant votre vice tribunal. Comment ce dossier est arrivé ici devant vous. Nous sommes pratiquement au mois de décembre 2020. On a compris que l'auditoire général était déjà bloqué. Bloqué. Mais entre temps, il avait trouvé le plaisir évidemment de mettre les gens en détention qu'on veut passer par là. Il est bloqué. C'est de cette façon que nous avions eu le devoir. Parce que peut-être, même le ministère public qui est là ne sait pas comment le dossier est arrivé. Nous avions eu le devoir, évidemment, de pouvoir écrire à l'auditeur général de l'époque pour lui demander de classer ce dossier sans suite. Parce qu'on était devant des innocents. Et l'auditeur général était bloqué. Nous avions dit non. Classer ce dossier sans suite. Et on donnait la libération, évidemment, de tous ces innocents qui sont à la prison inutilement, tout ça. Et subitement, nous avions aussi demandé, non? Si vous trouvez que tout ça, vous ne pouvez pas, tout ça,
Mais envoyez, transférez le dossier devant le parquet civil. Et je pense, c'est sur le bas de cette lettre. Parce que nous avions aussi réservé copie au chef de l'État pour dénoncer évidemment les comportements de l'auditeur général. C'est sur le bas de cette lettre que l'auditeur général va maintenant transférer le dossier devant le parquet civil. Et le parquet civil, tout en se comportant comme un Pilate, va dire, bon, je suis là, je suis là, et que les gars n'ont pas pour que vérité est bonne. C'est ce qui a été fait, votre. Voilà. Madame Pilate avait agi comment? Mais votre honneur, vous constatez que Jésus-Christ est innocent. Mais au lieu de prendre une décision, vous êtes autorité, au lieu de prendre une décision, vous dites non, je ne sais pas si je suis là. Non. Mais ça ce n'est pas une décision d'une autorité, votre honneur. Raison pour laquelle nous sommes devant votre guise tribunal. Et curieusement, j'ai eu à poser la fois passée ici la question à la prétendue partie civile de pouvoir nous dire ils sont à combien dans leur famille biologique. Et vous dit non, nous sommes à 12, nous étions à 12. Comme les gens sont partis, c'est-à-dire qu'ils sont, nous sommes maintenant à 11. Mais ce qui est curieux, c'est seulement deux personnes qui viennent se constituer partie civile. Alors, ils ont même des aînés, tout consort. Je me réserve aussi, évidemment, de pouvoir vous donner aussi certains détails par rapport à la communication entre notre client et tout ça. Je me réserve. Mais vous allez, nous avions compris que le problème est ailleurs, votre nom. Et lorsque nous avions fait pour diligenter ce dossier, le dossier est arrivé au niveau même du tribunal. Mais en principe, c'est la partie civile qui devrait évidemment venir pour diligenter la procédure, notifier ceci, tout ce qu'on sort. Mais ce qui est curieux, c'est toujours la partie prévenue qui s'est donnée corps et âme pour diligenter la procédure, tout. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, elle est innocente. Et à notre grande surprise, on voit des gens ici venir, oh non, nous sommes, nous consommons partie civile. Ah. Nous savons que le problème est ailleurs, votre honneur. Donc, j'étais en train de dire qu'en droit, votre honneur, en droit, il y a lieu de vous dire que les infractions d'assassinat et des complicités d'assassinat mises à charge, évidemment, mises à charge de nos clients, seront déclarés non établis. Pour la simple raison, d'abord, sur le plan de la forme, je venais de vous dire que l'auditorat général et la prétendue commission qui a été instituée, je ne sais pas par qui, n'ont pas été à l'auteur, évidemment, de pouvoir vous aider pour nous dire que tel a fait ceci, tel a fait cela. Rien. Rien du tout, votre honneur. Je vous dis, nulle part. On dit, par exemple, Brenda a eu apporté par exemple, des coups, ou a eu, par exemple, prendre les larmes et tuer, tout ça. Nulle part, votre honneur. Alors que cette infraction d'assassinat nécessite quand même des actes positifs, des actes matériels pour entraîner la mort. Mais il y a, vous constatez qu'il y a absence de tout ça. Mais je dois aller vous lire un peu l'article 22 du Code pénal, livre 2. C'est que on est en train de reprocher à notre cliente, Madame Poyokal. Nous dire par exemple qu'elle avait pris ceci, elle avait fait ceci, tout. Oh, c'est l'absence, votre honneur. Et vous allez comprendre aussi que cette difficulté s'est traduite même au niveau même de la citation a prévenu et la requête de fin de fixation d'audience. C'est pour cette raison, votre honneur. C'est pour cette raison que je vais citer pour permettre aussi aux confrères de pouvoir aussi dire un mot. Il vous reste 10 minutes. C'est pour cette raison, votre honneur. Nous avons dit que vous allez dire non établi ces infractions mises à charge de nos clients. Et vous allez débouter évidemment la demande formulée par la partie
civile qui n'est pas d'ailleurs fondée. Et vous allez ordonner l'acquittement de tous ces innocents, votre honneur, des pères de famille qui doivent évidemment s'occuper de leur famille, de leurs enfants. Je vous informe, pour le moment, actuellement d'ailleurs, il y a mon client Olivier qui a un grand problème avec son enfant. Son enfant était brûlé, faute d'encadrement. Donc, laissez ces innocents à votre honneur libre. Et Dieu vous sera récompensant. Était ailleurs, votre honneur. Les problèmes étaient ailleurs. Les comportements de l'auditoire général. Les problèmes étaient ailleurs, votre honneur. Un dossier qui a été instruit pendant plus de 11 mois. L'auditoire général prend évidemment les précautions de transférer ce dossier devant le parquet civil. Mais, curieusement, on envoie les dossiers, mais on laisse, je ne sais pas où, les biens qui ont été saisis. Et ce sont les biens importants qui ont été saisis. Votre honneur, nous sommes Africains. Nous sommes Africains. Moi qui vous parle, par exemple, mais je peux avoir tout ça, un titre ou tout consort. Si je vois par exemple là où moi je suis, il y a insécurité. Mais je peux faire appel à mon père, par exemple, là où là je trouve que non, il y a tout ça. Venez garder ces documents pour moi. Je vous informe même mes diplômes. Mon diplôme de licence, mon attestation de licence en droit à l'INIKIN. Je n'ai pas ces documents entre mes mains. Ces documents entre les mains de mon père. Je vous dis sincèrement. Où est le mal? Si par exemple quelqu'un trouve, par exemple, nous avons le deuil, c'est tout le monde qui vient. On ne sait pas même le cœur des gens, tout ça. Où est le mal? Si quelqu'un prend les précautions, évidemment, de pouvoir garder, c'est un bien important ou c'est un document important. Où est le mal, votre honneur? Raison pour laquelle, si votre, dans votre jugement, vous allez aussi, évidemment, exiger la restitution de ces biens saisis. Non, mon client, même son argent, jusque-là, on ne sait pas cet argent est parti où. Alors qu'on signale même sur le PV qu'on a saisi l'argent, qu'on a saisi le téléphone, qu'on a saisi tout consort. Mais nous sommes où? On doit restituer ces biens-là. Votre gouverne, elle a sillonné avec le général Opération Gomba, Amani, chef d'opération. Elle était sa femme. Elle était à ses côtés comme une épouse. Ce n'est pas une femme parvenue. Ce n'est pas une femme qui est venue à côté de son mari pour le prétendu matériel qu'on a voulu faire avaler à votre guise tribunal. Votre honneur. Aujourd'hui, l'honneur de cette femme est drainé à la boue. Où est son honneur? On nous dit, je ne souhaiterais pas que ce qui est arrivé à ma cliente arrive au ministère public, votre honneur. Je ne souhaiterais pas. Le ministère public a manqué l'occasion de se taire, monsieur le président. On dit, la parole est libre, la plume elle est serve. Monsieur le président, oui, elle est liée par le principe de l'unicité du ministère du public. Elle doit plaire sa hiérarchie. Elle devait chercher. Mais monsieur le président, tenez, le droit pénal n'admet pas l'analogie. C'est une interprétation. Le droit pénal est de stricte interprétation, monsieur le président. On nous amène ici des suppositions. J'ai eu la chance, moi, non seulement de connaître, mais aussi de côtoyer Likulia, Yabirungu, Akele. J'ai été enseigné par ce maître. Ils m'ont dit, le droit pénal est de stricte interprétation. Le droit pénal n'admet pas l'analogie. Comme il était là, on peut supposer qu'il faisait ceci, il avait dit à l'autre, c'est comme ça, c'est arrivé à tel endroit, monsieur le président. On est en droit écrit. Et stricte interprétation. Le ministère public, organe poursuivant principal de cette action, n'a pas pu démontrer par devant votre tribunal qu'est-ce que Madame Koï
à poser comme acte matériel. On nous a développé des moyens ici qui n'ont pas fait l'objet du débat. Ça n'a pas fait l'objet du débat. Les ministères publics, accompagnés de la prétendue partie civile, ont été confondus ici par les témoins cités par eux. L'absence de la corde. Le premier témoin, c'était Serge. Serge arrive. Le premier témoin en dehors de Brenda et sa mère qui est co-accusée, drainée à la boue par devant votre tribunal. Je n'ai pas vu la corde. Il y a même une dernière question qui lui a été posée pour faire asseoir, je ne sais pas moi. Est-ce que le général ne s'attendait pas avec sa belle mère? Et la réponse était, ma général pour n'aille pas. Monsieur le Président, ici, on veut nous fomenter une histoire d'un certain Gérard. Le mystico Gérard. Mais il y a le PV qui joue au dossier. Décriant même l'origine, là où Gérard a travaillé pour la première fois dans sa vie. Une moralité irréprochable dans le PV. Le général, vous n'avez pas peut-être eu le temps, peut-être vous avez entendu parler de ce général-là. C'était un commando. Le patron des renseignements militaires de notre pays. Un intellectuel est surdoué. Patron de renseignement, il pouvait y avoir des gens à son absence qui venaient chez lui et lui n'était pas au courant. Pasteur soit-il. Croyez-vous? On est où? On n'est pas en droit chinois, on est en droit congolais. Monsieur le Président, on veut faire croire à votre tribunal en ce jour qu'un prétendu Gérard serait dans la parcelle, il administrait je ne sais pas moi quoi, où il va paralyser le général pour lui donner la mort. Les PM là, tous ces gens, alors que il était en résidence surveillée, votre honneur. Le confrère a parlé de la fameuse journée du 27, où il y a eu plus de 4 ou 5 ordonnances qui ont été prises. On nous dit, poser la question de savoir en quoi consistaient ces menaces. On nous a dit que c'était les secrets d'État. Votre honneur, on est où? Ici, nous sommes venus, on a traîné notre cliente par devant votre tribunal pour l'infraction de l'assassinat. L'assassinat n'est rien d'autre que le meurtre avec préméditation. Mais la préméditation, monsieur le président, on définit la préméditation. C'est quoi la préméditation? Voilà, avec toute légèreté, on nous dit, les pasteurs à la veille avaient organisé une réunion, on avait appelé madame de Mbandaka, elle est venue, la réunion s'est tenue. Votre honneur, c'est avec passion. J'ai une femme. Je n'aimerais pas, qu'après ma mort, qu'une telle scène arrive à ma femme. Je suis père de famille. Père de parti. Monsieur le Président, ce n'est pas la passion. L'avocat, c'est un acteur social. Nous avons prêté serment de défendre les causes qui sont justes et vraies. Nous sommes parents. On n'est pas extirpés de la société. Nous vivons dans la société. Vous êtes parents. Je sais que ça saigne dans votre cœur. Quand vous allez vous retirer, monsieur le Président, vous comprenez que cette femme, elle est innocente. Et si elle est innocente, que dire de ces pauvres innocents qui ont poireauté tout leur temps ici pour avoir causé avec madame? On nous dit ici, j'ai déjà fait allusion aux appels téléphoniques qui n'ont pas fait l'objet du débat. Mais quel était le contenu de ces échanges? Si madame Brenda y a échangé avec les pasteurs, nous acceptons. Mais que votre tribunal nous dise, que le ministère public ici présent nous dise, c'est son action, qu'à 8h, elle avait parlé avec le pasteur Jérémy, ils se sont convenus qu'on a déjà tué le général. Après, il vient chez Amoudjaï. Amoudjaï, comme on a tué, toi prends garde la corde. À l'autre, c'est ça le travail. C'est un travail bâclé qui a été fait par cette soi-disant commission. Pour amadouer, habiller, donner le sens, habiller un peu tout ce qu'ils ont eu à faire. On n'est pas né de la dernière pluie. Voilà pourquoi on cherchait ces moments, on cherchait ces temps. On voulait être devant ce juge actif, intelligent, sage, aguerri. Un jour, j'ai discuté avec ma cliente, elle m'a dit, j'ai dit, madame, nous sommes en train de militer pour obtenir ta liberté. Elle m'a dit, maître, ce qui va beau, là, toi qui es dans le tribunal, dans le tribunal, dans le sang. Je suis là, papa, je suis là. Pourquoi je peux le faire? Qu'est-ce qu'elle n'a pas reçu de son mari? Qu'elle l'aura après sa mort. Qu'est-ce qu'elle n'a pas reçu? Qu'est-ce qu'elle n'a pas reçu de son mari?
qu'elle aimera donner la mort à son mari. Soyons justes, monsieur le président. Les confrères s'est largement étendu sur les faiblesses même, c'est par là que j'allais commencer, sur les faiblesses de la requête ayant conduit ou fixé ce dossier par devant votre tribunal, monsieur le président. Je voulais abonder sur une jurisprudence une jurisprudence importante par rapport aux faiblesses liées à cette requête de fait d'exception d'audience. C'est l'article 50 qui découle de l'article 57. La citation qui ne permet pas de connaître la nature exacte de faits dont le prévenu doit répondre et qui oblige la juridiction de premier degré pour essayer de circonscrire sa saisine, de se baser à tort sur les éléments étrangers à la citation, viole l'article 57 du Code de procédure pénale, entraîne l'absence régulière des saisines et dès lors, sur l'article 106 du Code de procédure, l'annulation de la décision du premier degré. Votre tribunal, monsieur le président, ne peut pas recevoir la présente action. Donc, il y a l'irrécevabilité de la présente action partant de faiblesses tirées dans cette requête qui n'a pas précisé. Nous allons communiquer la jurisprudence dans notre. Monsieur le président, pour nous résumer, nous allons vous dire que l'infraction de l'assassinat, ce n'est rien d'autre que le meurtre plus la préméditation. Nulle part, le ministère public ici présent nous a montré ce que c'est, quand est-ce qu'il y a eu la préméditation. Donc, comme vous le savez, les éléments constitutifs, nous avons l'élément légal, la base de la matière, c'est l'article 45 du Code pénal tel qu'est modifié et renforcé par l'ordonnance loi numéro 68/193. Du 3-1968. L'élément matériel. S'agissant de l'élément matériel, monsieur le président, l'élément matériel est constitué d'un acte et d'un coup porté avec la main, l'arme, le pied ou un autre instrument qui entraîne la mort d'une personne humaine. Monsieur le président, c'est par là d'ailleurs, c'est très simple. L'infraction de l'assassinat n'admet pas l'inaction ou l'abstention. Il n'y a pas l'inaction, il doit y avoir un acte positif. Je donne le coup, je donne une double patte. Mais ici, de faute en comble, on est dans des suppositions. On aurait fait, on a appris, il a fait, c'est que comme il était là, comme qu'elle avait fait ceci. Elle était au volant, comment elle n'est pas mort, comment elle n'a pas fait une crise. On est où, monsieur le président? Nous avons dit que, s'agissant de l'élément moral, monsieur le président, il doit y avoir l'animus nekandi. Il devait y avoir l'intention de nuire, manifeste. Mais partant du comportement de madame, on n'a pas pu montrer une conscience délibérée pour donner la mort. Monsieur le Président, à l'absence de tous ces éléments, que ferait votre tribunal quand vous allez vous retirer, monsieur le Président? Mes confrères à dire, vous allez débouter l'action du ministère. Vous allez carrément acquitter non seulement cette dame, ni ne plaide par procureur, mais nous savons que tous ces gens sont innocents. Si cette dame acquittée là, elle est innocente, qu'elle soit acquittée, vous l'acquitterez de toute charge, monsieur le président, parce que elle est innocente et elle ne se reproche de rien. Et quant au reste, nous allons revenir. Si le droit est énervé, on ne mentira pas de revenir, nous avons dit. Merci beaucoup. Les choses se fassent sur base des pièces qui ont permis au ministère public de construire son dossier. Non, c'est dans une légèreté méprisante que nous serons supportés, que nous rendons compte que le ministère public se permet de traduire, s'est permis de traduire notre cliente devant vous. Donc pour cette raison-là, cette seule raison-là, vous pouvez nous amener à nous taire. Parce que l'article 57 du Code de procédure pénale a été violé. Il eût fallu que les choses soient bien faites en étayant dans la requête, en étayant les circonstances des temps, la manière dont ça a été fait, où ça a été fait, parce qu'on parle de la commune d'Ngalema.
Nous l'avons dit à la première audience ici que c'est une commune vaste, je pense que c'est la plus vaste commune de la ville de Kinshasa. Mais le ministère public n'est pas précis. Mais comment est-ce qu'il donne son instruction et se permet d'aller, de tomber dans la parcelle numéro 41, commune d'Engalema, avenue. Kananga. C'est par quelle magie? Parce que dans sa requête, ce n'est pas dit. Donc cette manière de faire n'est pas correcte. Mais parce que nous pensons qu'il faudrait aller au-delà pour détruire la position du ministère public. Nous allons exposer ceci. Le récit de Madame Mondo devant votre tribunal commence le 26 février 2020. Elle n'est pas à Kinshasa. Dans son récit, elle est en Mbandaka. Dans des choses qui ne concernent ni Madame Breda, ni le ministère public. Elle est dans ses affaires d'église. Elle ne connaît rien de ce qui se passe ici. Elle prend son avion de Mbandaka, elle atterrit à Kinshasa le 26. Contrairement à ce que la partie civile vous a raconté, vraiment une version qui n'a jamais fait l'objet de débats lors d'instruction. Elle était dans ses affaires d'église, elle n'avait rien à voir avec ça. Rien à voir avec ce dossier. Qu'est-ce qui va se passer? Elle arrive, elle descend de l'avion, elle se dirige sur l'avenue Sayo, où se trouve l'église Bima, où elle prie, elle est très dévouée dans la prière, depuis de telles longues années. Et de là, elle va vers la maison, elle est appelée par sa fille, Brenda. Parce que sa fille Brenda voudrait bien qu'elle assiste, parce qu'il y a quelques soucis avec le général qui a des problèmes, pas de couple, mais des problèmes d'ordre professionnel. Qu'elle ne va pas refuser. Elle se déplace de sa maison, de sa résidence sur au numéro 1 de la 14e rue à Limité. Elle va quitter là pour aller, prise par le chauffeur de Madame Brenda, pour aller vers la résidence du général de Fenkaimbi dans le quartier Pigeon, dans la commune d'Engalema. Et elle sera briefée de la situation. C'est un problème qui concerne le travail. Elle n'est pas concernée par ça, donc elle vient assister sa fille. Mais elle va constater certains faits. L'âge de 27. Le général appelle son épouse à 16h pour dire que non, voilà, il venait d'être désarmé. À 16h. Et il raconte que non, voilà, je vais arriver à la maison avec des gens. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas effrayés. Ils vont visiter la maison. Laissez-les faire, je serai là avec eux. Et à 18h, le général arrive dans sa résidence avec une équipe de personnes. Ces personnes vont fouiller la maison de fond en comble pour chercher ce qu'eux-mêmes connaissent. À cette occasion-là, ils vont récupérer son passeport diplomatique ainsi que son laptop, pour des raisons que ma cliente ne maîtrise pas. Elle ne maîtrise pas. Et à la même occasion, on va placer dans la même résidence une trentaine d'éléments de la police militaire. Et ceux qui étaient déjà là, commis à la garde du général, ils étaient 7 plus le chauffeur, ça fait 8. Les 7 commis à la garde seront débarqués. Il y a une trentaine de militaires qui sont dans la parcelle, qu'on ne connaît pas, des inconnus. Ma cliente, qu'est-ce qu'elle avait à voir avec ça? Rien du tout. Et qu'est-ce qui va se passer? La nuit passe et on arrive à la journée du 28. Le 28, ma cliente est tentée de vaquer à ses occupations. Elle n'a rien à voir avec ce qui se passe. Elle n'a rien à voir. Entre 7h et 7h30, le 28 février 2020, elle sera appelée par sa fille, comme l'a déclaré ses conseils. Maman, maman, elle va se rendre compte que le général est au sol. Mais elle va aussi se rendre compte que le général a le corps chaud, donc il est encore en vie, il n'est pas encore mort. Il est en vie.
sa fille va appeler la garde pour intervenir. Il n'y a personne qui bouge. Ce groupe-là qui n'a pas bougé, ce groupe-là n'a jamais été inquiété jusqu'à ce jour. Ce groupe-là est resté comme ça. Ce sont des fantômes. Ils sont venus et quand le général sera par terre, une bonne partie de ce groupe-là va aussi partir. Partir. C'est le chauffeur qui était resté. Lui est monté pour assister le général. Mais le chauffeur, en arrivant, va se rendre compte de quelque chose, que le général est en vie. Il a dit devant le tribunal, à l'audience 19 de ce mois, le général était encore en vie. Parce qu'il a touché. Il a formulé ça en lingala. Nasimaki mokonzi pembeni, lakake moto. Il était en vie. Mais affaibli. Ils vont le prendre. Le chauffeur va le prendre à l'épaule pour l'amener à l'hôpital. Mais un détail important, parce que on nous a parlé tout au long de cette audience, on nous parle d'une corde fantomatique. Ma cliente sur PV n'a jamais parlé de corde. Elle n'a jamais fait état qu'elle a vu sa fille avec une corde. Elle n'a jamais vu une corde. Serge qui était le premier témoin, le chauffeur, en dehors de Madame Brenda et de sa mère, ma cliente. Serge dirait que non, voilà, qui n'a pas vu ici dans votre tribunal de corde, ni des traces. Des traces comme quoi le général aurait connu une pression au niveau de la gorge. Mais d'où vient cette version fantomatique? D'où vient cette corde fantomatique? Voilà dans quelles circonstances le général sera cheminé à l'hôpital. Mais qui va décider la direction? Le général part avec... il a cheminé à l'hôpital avec le chauffeur Serge et Madame Mondo. Pour eux, ils amènent pas un mort, un vivant. Donc, la panique est là, mais ils amènent une personne en vie. Et c'est... Le commandant, le chauffeur Serge parle, il dit sur PV que non, voilà que la direction de l'hôpital, parce que lors de l'instruction, on a posé la question de savoir, mais il y a plusieurs dispensaires à côté des hôpitaux, des formations médicales, pourquoi est-ce que le choix a été porté sur le cinquantenaire? Mais il faut comprendre que pendant cette période-là, le général était en surveillance. Donc la décision... Il a amené des livres pas dépendre de Madame Mondo. C'est le chauffeur qui a posé la question à son commandant compagnie. Il dit voilà, il a formulé ça ici en disant voilà, quelle attitude? C'est le mot qu'il a utilisé. Quelle attitude? Le commandant compagnie lui dira voilà, il faudrait l'amener à l'hôpital du cinquantenaire. Et c'est là que, indépendamment de Madame Mondo, ma cliente, le général sera acheminé à l'hôpital du cinquantenaire. Et à l'hôpital cinquantenaire, ils arrivent à quelle heure? À 8h30. Il est 8h30. Il entre aux urgences, reçu par le docteur Mawissa, urgentiste de profession. En attendant, Madame Brenda, sa fille, arrive. Il est presque déjà 10h. En attendant, il y a des généraux qui défilent. Ma cliente, Madame Mondo, n'est au courant de rien. Ils attendent que le médecin puisse apporter des nouvelles. Entre 11h et 11h15, c'est là qu'eux auront l'information que le général est décédé. Donc, le temps qu'ils ont amené le général à l'hôpital, qui sont arrivés au cinquantenaire à 8h30, c'est à 11h légèrement passé que ma cliente et sa fille auront l'information que le général est décédé. Alors que nous avons suivi ici que les renseignants, le général Yav, le général Mamba, ont déclaré devant votre tribunal qu'ils avaient l'information, avaient la primeur de l'information, qu'il est décédé et qu'il serait décédé. Enfin, qu'ils ont dit qu'il est décédé par pendaison. Et le général Yav a pris soin de prendre le téléphone, d'informer le chef de l'État. Voilà dans quelles circonstances ma cliente, Madame Mondo, puis la scolastique,
apprendra que le général Major Delphine Kaimbi est décédé. Il est entre 11h et 11h15. En attendant, bien sûr, au retour à la maison, il y a des généraux qui vont défiler pour chercher cette corde fantomatique qu'elle n'a jamais vantée, pour laquelle elle n'a jamais fait une déclaration sur le procès verbal. Mais le 29, selon la cote 609, le 29, l'état-major général, par le biais du chef d'état-major général, va décider de la création de la commission d'enquête sur la mort du général Delphine Kaimbi. Évidemment, cette décision n'est pas versée au dossier, mais c'est dit dans le rapport que la commission d'enquête a été créée le 29 février 2020. Mais nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a mort d'homme, il y a un être humain qui décède et on crée une commission. Nous avons cherché, à la lumière de la loi, le fondement de cette commission. Nous n'avons pas trouvé. Mais nous avons plutôt été très inquiets parce que ce comportement n'est pas normal. Nous avons essayé de lire la Constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo. En son article 153, dit ceci. Il est créé un ordre de juridiction judiciaire composé de cours et tribunaux civils, militaires, placé sous le contrôle de la Cour de cassation. L'article 149 dit ceci. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours tribunaux qui sont le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires, ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. Mais nous nous sommes posé la question, mais cette commission c'est quoi? C'est une juridiction? Nous avons conclu que c'était un comportement anarchique, pour ne pas dire du banditisme. Anarchique. Malheureusement, dans cette commission, vous retrouvez le ministère public qui siège avec les 9 membres de la commission. Le ministère public s'est permis d'aller s'associer à des gens, un groupe de personnes qui ont décidé comme ça, en marge de la loi. Parce qu'il n'y a qu'une disposition légale qui crée cette commission. La Constitution est très claire. Vous lisez les articles 149 et 153. On parle d'un ordre judiciaire. Et on cite. Et dans cet ordre judiciaire, vous avez les parquets qui sont attachés à ces juridictions. Mais on ne parle pas de commission. Ce comportement est très bizarre. Il est anormal. Il ne devait pas passer inaperçu. Voilà pourquoi nous avons estimé attirer votre attention, votre honneur. Il y a un groupe d'anarchistes qui ont décidé de s'asseoir et de créer une commission qui va siéger, dont la tâche était d'enquêter sur les circonstances de la mort du général Delphine Kaimbi. Malheureusement, comme on a dit, le ministère public est allé s'asseoir avec eux, avec ce groupe-là. Le ministère public, qui depuis lors n'avait posé aucun acte, s'il vous plaît, aucun acte. Le général est mort le 28. Qu'est-ce que le ministère public a fait? Vous apprenez que pas qu'il y a un général, mais qu'il y a eu mort d'homme. Mais c'est grave quand il y a mort d'homme. Ça doit interpeller le maître de l'action publique. Le maître de l'action publique s'endort. Il s'endort, il laisse faire un groupe de personnes qui créent une commission. Et il va s'asseoir avec ce groupe-là. Et ils adoptent un comportement anarchique. Lui ne fait rien. Pendant 9 mois, disons une année, vous ne retrouverez pas dans le dossier un dossier ouvert sous RMP. Pourquoi nous disons un dossier ouvert sous RMP? Mais c'est le registre du ministère public. La loi dit ceci. Vous prenez l'article 106 de l'arrêté du 20 août 1969. Arrêté d'organisation judiciaire numéro 209/79. Portant règlement intérieur de cours, tribunaux et des parquets. L'article 110 ceci. 106. Toutes les causes dont sont saisis les magistrats du ministère public sont inscrits, sont désemparés au registre du ministère public. Exception faite des cas déterminés par le procureur général de la République. On dit que toutes les causes qui sont saisies par les magistrats du parquet doivent être inscrites dans le registre du ministère public.
Est-ce que cela a été fait? À partir du 28 février, jusqu'à ce que, avant que le dossier n'arrive au parquet général de Kinshasa Gombe, le ministère public s'était endormi. Sinon, il s'est mélangé à ce groupe-là. Il n'y a jamais eu un dossier ouvert sous RMP. C'est un comportement très, très inquiétant. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte, ce sont des pièces qui sont au dossier. Lorsque je prends comme ça un mandat de comparution, il est émis par le général de brigade Basseleba. Vous allez vous rendre compte que ce mandat de comparution, c'est un papier bizarre. Il ne porte pas le numéro de registre du ministère public. On ne comprend pas. C'est avec ça qu'on invite les gens. Par crainte, ma cliente va se présenter. Par crainte. Parce qu'il s'agit quand même d'un magistrat. Mais on ne comprend pas. Mais c'est une faute professionnelle grave. C'est la même circonstance que la même commission va poser les actes. Elle pose des actes. Donc, on ne comprend pas. Donc, il y a un comportement hybride qui naît, qui est en marge de la loi, vraiment de l'anarchie. C'est dans ces circonstances-là, que la commission a évolué. Elle a évolué avec l'aide du ministère public qui est allé s'asseoir avec elle pour commencer à interpeller les gens, pour commencer à les arrêter. Tantôt ils sont à l'utérus général, tantôt ils sont des miens, vraiment dans une légèreté qui ne peut pas passer inaperçu. Nous rappelons, votre honneur, à l'intention du ministère public, parce que l'organe poursuivante, elle demande, le ministère public voudrait ici que ma cliente connaisse la peine capitale. Il est important que nous puissions rappeler à l'intention du ministère public ce que dit l'article 7 du code d'organisation compétence judiciaire par rapport à l'action répressive. L'article 7 dit ceci, du code de l'organisation de la compétence judiciaire. En matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Son rôle est de rechercher les infractions. Mais le ministère public n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Et le ministère public est allé se mélanger à un groupe. Un groupe qui a créé une juridiction anarchiste. Et ils ont commencé à poser les actes. C'est de cette manière-là, c'est avec ça que le fameux rapport, parce qu'il y en a plusieurs qui se contredisent, ont été élaborés. Même lorsque vous lisez la réquisition émanant de l'autorat général, agissant par à l'époque l'avocat général Likulia, vous allez vous rendre compte que cette réquisition ne porte pas les références du registre du ministère public. Ce qui est encore normal. Mais pourquoi cela s'est fait comme ça? Parce que tous agissaient aux ordres de la commission. Aux ordres de la commission. Nous parlons de choses vraies parce qu'elles sont des personnes versées au dossier. Nous n'avons pas de disposition telle qu'a fait le ministère public. Donc pendant toute cette période, c'est la commission qui a piloté l'enquête sans le ministère public. En tant qu'officier du ministère public. Le ministère public était resté mélangé là-bas et n'a pas exercé son ministère comme la loi le voudrait. Et nous pensons que suite à cela, toute l'enquête a été biaisée. Parce que le ministère public aurait dû poser les actes en son temps, ne l'a pas fait. Et c'est dans ces circonstances-là qu'on voudrait que notre client connaisse la peine de mort. Nous pensons que c'est de la légèreté. Avant qu'on procède à la discussion en droit, j'allons critiquer un peu tout ce qu'il y a comme rapport médical. Le médecin qui reçoit le général Delphine Kayembi, c'est le docteur Mawissa. Il dresse un rapport qui est présenté aussi à la commission. Le général décède le 28 février 2020. Quand vous lisez là-bas la cote 483, son rapport à lui, il est dressé le 12 août 2020. Quelle crédibilité donne à ce rapport? C'est lui qui l'a reçu. Mais il dresse son rapport plusieurs mois plus tard. Il meurt en février. Il dresse son rapport comme quoi il est décédé le 12 août. Il y a un problème sérieux. Quant aux circonstances du décès,
toujours piloté par la commission. Il y a plusieurs rapports. Vous trouverez un rapport du 3 mars 2020. Sous la demande de l'auditeur général, par ses réquisitions, signées par le général Ikoulia. Il est dit ceci, que l'on voilà que ce rapport a été signé par le docteur Tchomba Ondo et le docteur Perich Pierre. Mais qui dit ces rapports d'enquête? Ils aboutissent tous dans les différents rapports, en dehors de celui-là, celui du 3 avril 2020. À la même date du 3 avril 2020, il y a encore deux rapports. Donc l'autopsie a été pratiquée, si vous prêtez votre honneur, le 2 mars 2020. Pour la date 2 mars 2020, on dresse trois rapports. Et dans les trois rapports, il y a une conclusion qui frappe à l'œil. Beaucoup de zones d'ombre. Je pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de zones d'ombre. Mais c'est normal. Parce que derrière ça, il y a une commission. Nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de la commission. Nous ne connaissons pas le véritable agenda de la commission. Voilà pourquoi, votre honneur, nous pensons que c'est de manière légère. Nous essayons de gérer notre temps. Nous pensons seulement encore dans le temps. De manière légère, que le ministère public va se permettre aujourd'hui de s'élever et de requérir la peine de mort. Il vous reste 5 minutes. Hein? Merci. Lisons ceci, votre honneur, dans les 5 minutes qui nous restent. S'agissant de la discussion en droit, il est clair que Madame Monde Pilas Scolastique n'est pas auteur d'un assassinat. Le ministère public dit que non, voilà qu'elle aurait agi par coopération directe au regard de l'article 21. Mais à quoi en consistait la coopération directe? Parce que le ministère public lui-même est allé se mélanger à d'autres pour faire le travail. Donc, même tout au long de l'instruction, on ne vous a jamais démontré encore que c'est la coopération directe. C'était notre première préoccupation. L'article 21 n'est pas rencontré par le ministère public. On dit que non, voilà qu'il y a eu. Il y a homicide volontaire avec préméditation. En quoi consiste les éléments consistent cette infraction? Le ministère public n'a pas su démontrer que ma cliente avait conçu à une période de temps bien précise le projet de mettre fin à la vie du général Kayimbi. Il n'a pas pu démontrer ça sur base des éléments cohérents. Quel est l'acte matériel? Ça n'a pas été démontré. Donc c'est vraiment de manière légère, de manière complaisante, que le ministère public, qui n'a jamais instruit pendant près d'une année, qui reçoit le dossier parce que nous avons demandé que le dossier lui soit attribué, qui aujourd'hui, dans une instruction vraiment rudimentaire, va se permettre de conclure au tort de Madame Monde depuis la scolastique. Voilà pourquoi nous vous dirons, que vous direz lorsque vous allez vous retirer, que la présente cause doit être irrecevable au motif que l'article 58 n'a pas été respecté, mais aussi non fondé au motif que les éléments constitutifs de l'infraction d'assassinat ne sont pas réunis, et vous aurez bien dit le droit. Nous ajoutons ceci, si vous permettez votre honneur, parce que je suis oublié, par rapport à la partie civile. La partie civile ne peut pas avoir raison parce qu'elle n'a pas su démontrer qu'il y a assassinat. Elle ne peut pas avoir raison pour que sa demande en justice ait un fondement assis, il faudrait qu'il parvienne à démontrer que ma cliente, notre cliente, Madame Monde, a assassiné. Mais ce n'est pas le cas. Donc ne venons pas dans la légèreté comme ça, obtenir des droits que le tribunal n'accordera pas. Nous pensons, votre honneur, avoir dit, et nous vous remercions. Merci beaucoup, maître. Monsieur le Président, parce qu'ici, moi j'ai dit, vous avez les petits dossiers, Madame Aminata a été devant vous ici. Vous lui avez posé des questions. Là. À part le simple fait qu'il ait mis Gérard, et encore que Monsieur le Président, Gérard, oui, on dit aujourd'hui Burundais. Burundais, ça signifie quoi? C'est un animal ou c'est un humain? C'est lui qui l'a ramené de Bukavu, Mirimo est là. Mirimo a été entendu. Je l'ai ramené de Bukavu comme travailleur, comme tout le monde. C'est un problème. Dans le fait qu'il soit Burundais, ça signifie quoi? Oui, au lieu que le ministère public cherche à nous convaincre avec des éléments, on cherche des suffisants. Il est Burundais, ça signifie quoi? Qu'il soit Burundais, ça signifie quoi? Puis, il était payé, il travaillait. Mais s'il a eu des problèmes,
avec M. Mirim. Parce qu'au départ, quand il travaillait chez M. Mirim, Mirim n'était pas marié. Où il avait, c'était, c'est pas de son, de son ancienne épouse, c'est la nouvelle épouse qui a commencé à poser des problèmes. C'est comme ça qu'il est parti. C'est tout juste ça. Et madame Amina, elle a parlé de ça dans ses PV. C'est comme ça que quand il y a eu cette offre, elle a dit ok, mais il y a quelqu'un ici à côté de moi. Vous voyez, et même quand on l'a retrouvé, elle dit ah non, je ne veux le fait même qu'il soit parti, c'était bon. Mais quand on l'a ramené, il dit que je ne veux pas avoir de problème avec tout mon bailleur, parce que c'est Mirimo qui était son bailleur. Oui, donc il n'y avait pas de problème pour lui que non, non, c'est quelqu'un qu'on avait peaufiné, il y avait un domestique. Et depuis le 2 janvier qu'il est parti à l'agence générale, il n'est revenu que 2 semaines après. Bah, 2 mois et 2 semaines après le décès. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, monsieur. Vous voyez que nous sommes nombreux, je peux m'arrêter là pour que les autres puissent me contenter. Merci, monsieur le président, pour la parole. Je vais commencer en ce qui concerne le droit. Notre client est poursuivi comme complice. Et à la dernière audience, on avait fait savoir au ministère et qu'il ne suffisait pas d'alléguer les faits. Les poursuivi pour complicité d'assassinat. Quel est l'acte positif que notre client a posé par elle-même ou par le canal de notre copain? Vous allez vous rendre compte que cet élément fait défaut. Deuxième élément, à savoir la volonté de donner la mort, la préméditation. Vous avez suivi le ministère public ici. Le ministère public parle de la préméditation en disant que ma cliente est poursuivie pour préméditation pour avoir fait disparaître Gérard. La préméditation, c'est la conception avant la commission des faits. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour complicité d'assassinat parce que quelqu'un, un cuisinier, disparaît. Et encore que les prévenus, les Gérard n'est pas poursuivi. Donc vous allez vous rendre compte, même cet élément. Comment le ministère public elle-même qui dit, qui requiert pour 20 ans pour des faits après la commission de l'infraction, ne peut pas se rendre compte que les faits ne sont pas établis à charge de notre client. Donc, le deuxième élément, l'élément moral, à savoir la préméditation, n'est pas non plus établi. Parce qu'ici, on dit que ma cliente aurait assisté. De quelle manière? Parce que vous avez suivi tous les renseignants ici. Est-ce qu'un renseignant vous a dit que le jour de la mort, ma cliente les a assistés? Si elle les a assistés, de quelle manière? Quels sont les actes? Parce que tous les renseignants ont affirmé qu'elle n'était pas sur les lieux. Elle n'a pas non plus pris part à une quelconque réunion. Parce qu'il ne suffit pas de dire, voilà. Même quand la partie civile a pris la parole ici, la partie civile a nommé les personnes qui auraient tenu une réunion. Et parmi les personnes qu'on a indiquées, on n'a pas indiqué le nom de ma cliente. Donc même la partie ici, les parties civiles, sont d'avis que notre cliente n'était pas impliquée ni de loin ni de près. Or, les parties civiles n'ont parlé que de Gérard qui aurait donné un produit tranquillisant. Et en ce qui concerne même les dommages à intérêt, vous allez dire que cette demande n'est pas fondée. Encore que, outre le fait qu'ils n'apportent pas la preuve qu'ils ont des liens avec la personne qui est décédée, parce que je n'ai pas vu les actes de l'état civil qui attesteraient qu'ils ont des liens avec la personne décédée. Donc vous allez vous rendre compte, il ne suffit pas de s'appeler Lady pour venir prétendre que vous faites parmi la famille. Moi, je suis maître Lady, mais j'ai aussi mes frères qui s'appellent Lady. Donc tout le monde ne peut pas, après la mort de maître Lady, Gérard va dire voilà, comme je m'appelle Lady, je peux venir postuler au dommage d'intérêt. Donc vous allez principalement dire les faits mis en charge de notre client non établi en fait commando, et vous allez dire que la demande de dommage à intérêt est non fondée. Nous avons dit. Oui, merci, monsieur le président, honoré membre de la composition, monsieur le ministère public. Je voudrais bien commencer mon intervention en lisant l'article 150 de la loi fondamentale qui est la constitution de notre pays. La constitution de notre pays, à l'article 150, dit ceci : le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles
et des droits fondamentaux des citoyens. À son alinéa deuxième, on dit « Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. » Et pour renchérir cela, Monsieur le Président, j'en viens à l'article 17 de la Constitution. L'article 17 dit ceci. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Si on peut, Monsieur le Président, revenir à la forme, vous vous rendrez compte que votre tribunal va retenir l'irrécevabilité de cette action. Mais ça a déjà été dit. Oui, mais ça n'a pas été dit. Parce que nous plaidons pour les comptes de Mme Aminata. Non, vos comptes, vous venez de le dire tout à l'heure. Le premier a dit, le deuxième aussi, même moi, donc vous êtes le troisième. Évidemment, nous voulons beaucoup plus souligner cela en rouge pour que votre tribunal ne puisse pas. Peut-être que lorsque les autres confrères étaient en train de parler, le tribunal était en train de se concerter pour des raisons personnelles. Le tribunal a pissé l'oreille. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la sagacité de votre juridiction. Mais tout simplement, Monsieur le Président, vous allez tout simplement remarquer ici que notre client n'a pas assisté ni aidé la commission de cette infraction. Parce que lorsque les parties civiles ainsi que les ministères publics ont pris parole devant votre tribunal, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas démontré en quoi consistait la participation, l'assistance ou l'aide qu'aurait donné Mme Aminata pour que M. le Général Kaïm de Rez Mémoire soit assassiné. Et donc, M. le Président, nous ne voulons pas retomber dans les redites. Nous vous demanderons tout simplement d'acquitter notre cliente et de débouter l'action des parties civiles parce que c'est une action fantaisiste. Étant donné que, Monsieur le Président, il n'a jamais été établi par devant vous que notre cliente a eu à participer dans la commission des prétendues infractions pour lesquelles ils sont traînés ici. Nous avons dit, apparemment, dans votre composition, il y a la justice. La dame ne parle pas. Madame, prenez la parole. Même si ce n'est pas votre mot, mais mettez un mot. Merci, Monsieur le Président, distingué membre de la composition. Après cette brillante plaidoirie de mes estimés confrères, Monsieur le Président, je voulais juste marteler sur un mot, Monsieur le Président. Audios en sous restigenda, Monsieur le Président. Les juges sont saisis par le fait précis. Pas des narrations, pas la sociologie, Monsieur le Président. Vous constaterez, quand vous allez vous retirer dans votre délibéré, que Mme Aminata n'a pas participé dans cette participation criminelle, soi-disant de la prétendue assassinat. Monsieur le Président, il n'a ni participé par un acte positif, ni par un acte matériel, et il est de bon droit, vous êtes soumis par l'autorité de la loi. Monsieur le Président, personne ne peut être poursuivi pour des faits qui ne sont pas prévus par la loi. Quand vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous acquitterez Madame Aminata, et cela sera justice et droit. Ça sera l'œuvre qui va rester servie de l'exemple. Nous avons dit, Monsieur le Président. Nous avons encore la parole. Là était décidé que l'élément constitutif de participation criminelle réclamant entre l'auteur et son complice un concert préalable faisant défaut, la complicité n'est pas établie. Cour suprême de justice, 28 août 1978. Il a aussi été jugé. À défaut d'établir un élément matériel de la volonté commune de participer à une infraction, la participation criminelle à titre de complicité n'est pas établie. Nous allons vous fournir toutes ces jurisprudences-là dans notre pays. Merci beaucoup, maître. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président, de la parole accordée. Nous allons justement placer un mot en ce sens que quand nous intervenons dans ce procès, il y a des idées qui m'amènent même plus loin dans la Rome antique. Vous savez, je vais emprunter une pensée qui me retient à l'esprit.
Il y a un auteur qui a dit « Mieux vaut laisser échapper un coupable que de punir un innocent. » Vous allez vous rendre compte, monsieur le président, de bout en bout, avec votre intime conviction, vous avez la conscience en tant que juge, fait suivant son intime conviction. Intime conviction de juge ne veut pas dire impression subjective, comme c'est le cas avec le président. Au contraire, le juge a le devoir d'éclairer son opinion par tous les moyens que l'instruction met à sa disposition. Il doit en faire la critique suivant les règles d'une saine logique et ne retenir que les faits dont il est certain. S'il subsiste un doute sérieux, comme c'est le cas, qui saute aux yeux, monsieur le président, il doit tenir les faits pour non établis, même si ceux-ci lui paraissent probables. La certitude du juge n'est pas une certitude métaphysique, ni mathématique, ni même scientifique. C'est la certitude de l'homme honnête et prudent, à laquelle aucune variante possible ou plausible ne peut être raisonnablement opposée. Je passe la parole. Plus loin, on peut même comprendre que cette commission élaborait la thèse à faire gober au peuple parce que ces crimes, le peuple a soif de la vérité comme un lion a soif du sang. Il faut lui dire quelque chose. Et comme la raison ne peut pas être connue, c'est peut-être un secret d'État. Alors, il faut trouver quelqu'un pour dire bon. Et puis on va voir tout ça après. Oui, lui, et lui aussi. On l'a appelé. Tout le monde, il faut les embarquer. On les a embarqués comme ça. Donc, cette infraction est impossible. Maître, concluez, maître. Non, j'ai présenté trois éléments. Je viens de clôturer le premier élément. J'entame le deuxième. Par rapport au timing, maître, le tenant ne veut pas vous attendre. Ok, j'accélère, je divise mes minutes parce que c'était l'élément le plus important. Le deuxième élément, c'est la participation. L'acte de participation. Le professeur Nyabirou, Miner, tous ceux qui nous ont précédés en droit, nous ont dit que l'acte de participation doit être un acte positif. L'acte de participation doit être antérieur. Je dois d'ailleurs lire parce que ça, c'est très beau. C'est tellement beau que voilà. Il dit ceci. Enfin, en ce qui concerne l'acte de participation, il dit, enfin, pour être constitutif de participation, l'acte doit être antérieur ou concomitamment à la commission de l'infraction. Sont en principe exclus les actes postérieurs. Mais regardez l'acte que mon client a commis. Il a accepté de garder les titres et les autres biens du général. À partir de 14h du jour de son décès, le général est déjà décédé à 7h, 8h. À 14h, il prend l'information. Et cet acte-là, d'avoir accepté à 14h après le décès du général, est interprété comme un acte de participation criminelle. Cette compréhension détruit l'ensemble de notre système pénal. Si nous tous, nous devons comprendre le droit comme ça, croyez-moi, même vous, les juges, le ministère public et moi qui vous parle ici, nous sommes en danger. Demain, nous allons nous retrouver, nous tous, dans cette maison. Ici, c'est pour tout le monde, nous devons laisser voir. Mettre ces gens, des innocents ici, interpréter des choses de cette manière ici. Quelqu'un à qui on a appelé à 8h, vient prier. Il vient, il ne trouve pas la personne pour qui il est venu prier. Oh, bah, marquez-le. Et puis, il est poursuivi pour meurtre. Non, ce n'est pas possible. On dit, ne sera considéré comme ayant participé, je suis en train de plaider avec le professeur Nyabirou, ouais, ne sera considéré comme ayant participé à une infraction, un simple spectateur qui n'a pas empêché. Donc le fait pour mes clients de n'avoir pas posé un acte, ça ne peut pas lui coûter la prison. Et pour conclure, monsieur le président, il faut examiner maintenant le dernier élément. C'est l'élément moral. Ici, plusieurs juristes confondent l'élément moral de l'infraction principale de l'élément moral de la participation criminelle. C'est différent. L'élément moral de l'infraction principale consiste à l'idée de donner la mort. Ça n'a même pas été développé ici. Chez d'avoir participé doit connaître qu'il est en train de participer
à la commission d'une infraction au moment où il est en train de poser cet acte-là. C'est comme ça que le professeur Nyabirungu fait une différence quand il vous dit que le procès pénal, c'est un procès très technique. Un notaire, un co-auteur et un complice sont différents. Le ministère public les a tous emballés et ils ont tués. Non. Un notaire, c'est celui qui joue le rôle principal de l'exécution du crime. Un co-auteur, c'est celui qui lui apporte un soutien indispensable. Sans ce soutien-là, les crimes ne pouvaient pas être commis. Et un complice, c'est celui qui apporte aussi une aide, pas indispensable du tout, mais sans quand même aider, sans faciliter, de telle sorte que si cette aide n'était pas là, les crimes auraient dû être commis, mais pas avec la même facilité. Et lorsque le ministère public vous balance toutes ces choses ici, même entre les deux dents, je ne sais pas qui est auteur, qui est co-auteur. Nyabirungu donne souvent l'exemple, lorsque quelqu'un est en train d'égorger la victime, l'autre le tient les bras, celui qui tient les bras c'est le co-auteur. Celui qui égorge, c'est l'auteur. Mais lorsque la personne parvient à fuir, on dit arrêtez-le, il faut l'arrêter. Celui qui l'arrête pour que les deux autres viennent exécuter, c'est un complice. Mais il faut maintenant montrer que il a posé un acte positif. Il a joué un rôle dans l'acte, dans l'élément moral de la participation. Si quelqu'un passait, on lui dit arrêtez-le, il l'arrête croyant que c'est un voleur. Et on vient par les bandits, il l'égorge, il ne peut pas être poursuivi pour la participation criminelle. Parce que dans son intention, il n'avait pas l'idée de participer à ces crimes-là. Toutes ces choses n'ont pas été démontrées par le ministère public. Il ne te les démontrera jamais. Si même il ose remettre même un morceau de ma parole, je reviendrai pour briser totalement ce qu'il dira. J'ai conclu en disant ceci, monsieur le président. J'avais préparé une plaidoirie de 2 heures dans 40 pages. Les circonstances m'ont empêché de vous développer des irrégularités. Mais je vais vous rappeler seulement quelque chose pour que vous ne puissiez pas commettre la même erreur. Rappelez-vous que dans cet enclos, le général John Mumbi est venu cité par les partis civils comme prévenu. Les juges ont refusé. Ils ont dit que non, les généraux sont souvent les renseignants. Ils ne commettent pas de crimes. Quand le régime a changé, aujourd'hui, nous apprenons qu'on doit refaire. Ce n'est pas de l'honneur pour les juges et ça ne vend pas une bonne image de nos juridictions. Aujourd'hui encore, des innocents sont là, ils vous regardent. Je rappelle ici que la peine capitale proposée par madame le ministère public pour les deux dames là, si ça dépendait de moi, j'allais vous proposer, si jamais vous retenez, de lui donner la corde, qu'elle-même pende les deux dames. Je sais qu'elle est de bon cœur. Elle ne saura pas. Elle ne peut pas. C'est parce qu'on vient citer des histoires qu'on a étudiées, mais on ne sait pas que on met en danger la vie des gens. On demande que cette maman-là, après que ses enfants aient perdu leur père, qu'on la bande, qu'elle perde encore leur mère. Injustement encore. Entre-temps, le vrai problème pour lequel le général était interpellé le 27, on ne le dit pas. Le général était dit, oh, le secret d'État, ça je ne peux pas toucher. Vous n'avez fait aucun, le tribunal, permettez-moi, n'a fait aucun effort. Le tribunal avait pourtant le pouvoir de briser ce silence-là. On a laissé. Mais si jamais c'est cet élément-là qui serait à la base, on doit donc condamner les innocents. Je regardais, j'ai dit, je sais que ce n'est pas un crime d'État, mais seulement il y a doute sérieux sur l'existence de l'infraction principale. Et chacun des éléments qui entre dans la définition légale de la participation criminelle, rien n'est établi. J'ai compris qu'après avoir cherché peut-être tout ça, le secret d'État, on dit bon, maintenant on fait comment parce que le vin est déjà tiré. On balance l'histoire, ça a tombé malheureusement à la noble dame qui représente le ministère public. Maître, concluez, s'il vous plaît. Je suis en train de conclure pour vous demander ceci. Monsieur le Président,
vous jugez vos semblables. Tenez compte de ces vérités que je viens de vous présenter. Acquittez tous ces gens, tous, ils n'ont rien fait. Acquittez-les, renvoyez-les pour quitte de fin de toute poursuite. Les partis civils, je sais qu'ils ne font pas le commerce, mais ils tentent aussi. Parce qu'ils ont appris, vous avez vu comment ils se sont. Il n'y a rien. La première des choses pour les partis civils, personne n'a apporté un acte qui, conformément à l'article 69 du code des procédures pénales, les lie avec les générales. Donc, pour les partis civils, vous allez dire la constitution de l'air. Parti civil, irrécevable. Mais si jamais, ça ne donnera pas bien pour les juges, peut-être, je comprends, je vois que c'est un tribunal vraiment qui respecte la balance, il peut dire non, ça ne va pas très bien sonner. Alors, il... Participer à la commission criminelle de cette infraction de l'assassinat, qui n'avait rien fait ni de loi, ni de bruit. Par voie de conséquence, nous martelons, nous persistons, monsieur le président, vous la quitterez. Et cela sera justice. Et je mets fin à ma plaidoirie en disant ceci à une pensée pieuse. C'est une pensée pieuse biblique qui dit ceci dans l'ouvrage de Juge, je suis dans Juge 5-6, que quand tout le monde invoquera le nom de Jésus-Christ, les autres invoqueront le nom de Dieu, de l'escroquerie, des mensonges et des montages. Mais vous, juges, vous n'êtes pas comme les autres. Vous invoquerez le Dieu de la vérité et vous acquitterez les innocents. Nous avons dit. Article 57, je pense que c'est l'alinéa 3, qui dit que la citation à prévenu indique la nature des faits pour lesquels les prévenus doivent répondre. C'est ces faits-là, leur nature, telle que repris dans la citation à prévenir, qui saisissent les juges. Le juge pénal est un juge de faits. Le juge pénal est saisi des faits. J'ai entendu une confusion terrible entre l'énoncé des principes de droit, des dispositions légales et des faits. Non. Les faits signifient que, en date du 1-2-3-2005, Monsieur A a pris son coup, il l'a porté à la main de Monsieur B. Ce fait ici est incriminé par l'article 100, 2 ou 3 du tel code. Et il donne à ce fait le nom de crime contre l'humanité. Lorsque dans une citation, vous vous limitez à énoncer la loi dit sera puni quiconque commettra le meurtre. Celui qui tue, celui qui fait ceci. Et vous vous reprenez dans la citation à prévenir. Attendu qu'en date telle, la personne a commis le meurtre. Vous n'avez pas présenté les faits. En réalité, quand vous lisez le code judiciaire, au bas de l'article 57, une jurisprudence star connue de tout mon nouveau venu dans la profession. Parce que la première des choses, c'est la rédaction de la citation directe. Sauf que cette citation dit que les juges. Une citation à prévenir qui n'indique pas la nature de fait pour lesquels le prévenu doit répondre ne saisit pas le juge et interdit au ministère public, à la partie civile ou la partie citante d'aller chercher les éléments à compléter la citation directe en dehors de la citation à prévenir. Mais je sais que pour l'instant, moi je ne plaide pas l'irrécevabilité hein, parce que je sais que ce n'est pas le moment. J'ai déjà, moi j'ai compris les faits, mais seulement ça a été très mal présenté. Il faudrait pour des raisons pédagogiques
que cela soit repris. Parce que quand les partis civils viennent les dire comme ça, ils donnent l'impression de dire des choses qui sont en droit. Non, ça n'existe pas comme ça en droit. Mais nous, nous savons ce qui s'est passé. Nous avons compris les faits. Mais la citation directe, d'ailleurs, si le ministère public lui-même avait rédigé cette citation, parce que j'ai des citations rédigées par elle, très bien, super bien. Donc ça, ce sont des ratés, on comprend. Bon, on laisse. On n'aurait même pas dû soulever ces exceptions en ce moment ici. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, mon problème, c'est les fonds. Et puis l'exception, là, je sais que c'est rien du tout. C'est les fonds. En ce qui concerne les fonds, monsieur le président, je réitère ma plaidoirie, vous demande de regarder tous ces messieurs, tous ces innocents en face. Regardez-les en face. Quand vous serez en délibéré, que le visage de chacun vous revienne. Et que quand vous allez prononcer l'acquittement, et que vous ayez dans l'esprit que vous servez Dieu. Et quand vous allez condamner, prononcer la condamnation, vous ayez l'intime conviction que vous servez Dieu. Je dis, je vous remercie. Le tribunal vous remercie et fait l'andeli Makamboa, Kanga Kibino, Atinibino, le tribunal. Qui a appelé ça au peine capitale et tout le liwa au lobinini. Parole la dernière, la prévenue Brenda Koi Okale Brenda clame son innocence. Ok. Monde depuis la scolastique. Oui, le Kakiwana, tribunal APSAO et Tumbuya 20 ans. Pour le vini, le banan et la souka. Je suis venu à tout. 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 Je suis venu. Mais c'est pas la prévenir, monde clame son innocence. Ok. Comment a mis par lobby dans ma campagne sur les 4 000 euros pour que Gérard, soi-disant Gérard, à Salaki Boye, il y a Salaki Boye, Gérard, à Kim, Topé Sao et Toumbou il y a 20 ans, et le Manoir à Souka. Je suis ma campagne sur la terre, là, nous avons un endroit où il y a généralité, qui est innocent, parce que nous avons une faute, mon côté, la carte de ma campagne sur la terre. Nous avons un singe ou libéré, nous avons un innocent. Ok, monsieur le directeur, veuillez rappeler que la prévenue innocente est sollicitée sur l'acquittement. Moi, je suis venu à la campagne sur les cas qui a dit le général de Fin Kaimbi, Bissot tribunal, à Sengina Bissot. Je peux s'arrêter tout le monde à 20 ans. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis venu à l'acquittement pour acquitter, je suis libéré. La carte de ma campagne est venue au mort. 10 ans aussi qu'à là, 10 ans. Je ne sais pas ce que c'est. Mon dossier on est de près ni de loin. Nous sommes dans la justice. Atina parce qu'on a moussa la zone. Ma mission, c'est juste pour prier. Pour mon avis. Vous êtes désiré une loi comme la qui générale, plutôt au tribunal, le professeur est tombé à 15 ans pour le bénir. Je suis venu à l'avocat Nanga. Et je viens de près nos innocents. Ça sera qui tout le monde. C'est un innocent tout en sollicitant son acquittement. Si c'est. Le tribunal clôt le débat et met l'affaire en délibéré pour rendre son jugement dans les délais légaux de la loi. Attendez que le tribunal vous fixe la date. Hein? Là, c'est à 12h. Ici, ici. En audience publique. À paradis. En audience publique. Vos notes dans les délais légaux, les sans. Mission TV, le miroir du monde.